Bonjour à tous et à toutes. Pour celles qui n'étaient pas là ce matin, bienvenue. Alors ce matin, on a vu que tout avoir, une vie personnelle et une vie professionnelle satisfaisante, c'était difficile, qu'il fallait toujours faire une pression collective sur les différents pouvoirs politiques et économiques. Mais notre pari à elle, c'est que si c'est difficile, et même parfois très difficile, encore plus pour les femmes défavorisées, c'est possible. Donc cet après-midi, nous allons parler des marges de manœuvre que les femmes ont elles-mêmes, ce qu'elles peuvent faire. Et donc nous avons deux tables rondes, une première à destination des jeunes femmes qui commencent leur vie professionnelle. Nous allons leur dire comment poser les bases d'une carrière réussie, leur donner des stratégies. Et puis une deuxième vers 15h15 pour les femmes qui sont également mères de famille, qui galèrent un peu dans les histoires de conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Et à celles-là, nous allons essayer de redonner un peu d'énergie et d'espoir pour leur dire qu'avec l'allongement de la durée de la vie et donc de la carrière, tout ne se joue pas forcément à 35 ans dans une carrière, qu'il y a des phases, et des phases d'accélération bien sûr, mais aussi des phases de plateau. Et que d'autres opportunités vont pouvoir s'ouvrir à elle. Voilà. Je compte sur vous pendant ces tables rondes pour participer et avec, via Twitter, pardon, avec le hashtag #ElleActive. Il y a un code Wi-Fi qui est #ElleActive2013. Nous ferons un point Twitter à la fin de chaque table ronde de l'après-midi avec Clémence Levaux, ma fidèle collaboratrice sur Elle Active, sans qui je ne serais rien et sans qui cette journée n'existerait pas. Et en attendant, nous avons souhaité vous présenter notre étude, l'étude de l'Ipsos, la partie de l'étude de l'Ipsos qui est passionnée ce matin, mais cette fois-ci, c'est sur les débuts de carrière. Et donc, je suis très, très heureuse d'accueillir la directrice générale de l'Ipsos, Dominique Lévy, pour qu'elle nous présente son étude. Bienvenue, Dominique. Rebonjour pour celles et ceux qui étaient déjà là ce matin. Donc, on a ce matin brossé un peu le paysage général et regardé globalement comment femmes et hommes envisageaient cette problématique de la conciliation. Et pour introduire cette seconde table ronde, on va maintenant se focaliser sur la population, une population très particulière, puisque nous avons interrogé des jeunes femmes de 20 à 30 ans, diplômées et sans enfants. Donc véritablement, celles qui sont en début de carrière et qui envisagent la problématique de la conciliation vie privée-vie professionnelle d'un point de vue, on va dire, un petit peu encore théorique, en projection plus qu'en réalisation. Nous avons intitulé cette partie de l'étude « La parenthèse enchantée », parce que ce qui est frappant, et je pense que nous pourrons articuler une partie du débat là-dessus, c'est à quel point ces jeunes femmes diffèrent de leurs aînés notamment, mais même de l'ensemble des femmes, et donc plus particulièrement de leurs aînés, dans leur optimisme et à quel point elles ont, par certains aspects, des opinions qui se rapprochent presque davantage de celles des garçons que de celles des femmes qu'on va voir plus tard. Alors la question que je vous demande de garder en tête, parce que je pense que c'est une question à laquelle il faudra un jour que nous répondions, c'est est-ce que c'est un effet d'âge ? Est-ce qu'on est heureux quand on a 20 ans et qu'on pense que tout va aller bien ? Ou est-ce que c'est un effet de génération et que ces jeunes femmes vont effectivement réussir autrement que celles dont nous parlerons plus tard dans la journée et qui n'ont jamais que 10 ans de plus qu'elles. Alors elle aussi, elle trouve que tout avoir, c'est une équation difficile. Et écoutez cette jeune femme de 24 ans qui, pour l'instant, n'a pas d'enfant, qui nous parle de ce qu'elle imagine être la suite. Réussir sa vie, c'est avoir un travail épanouissant qui nous permet de vivre convenablement, donc un bon salaire. Avoir une vie de couple épanouissante et à terme donc une famille à peu près bien soudée, quoi, à peu près soudée. À peu près. Vous voyez que jusqu'ici, ce qu'elle nous dit ressemble beaucoup à ce qu'on a pu se dire ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement, les priorités sont les mêmes, le travail, la famille, le couple, et qu'on met un petit peu tout sur le même plan, même quand pour l'instant, on est au tout début d'une carrière et qu'on n'a pas encore de famille. Donc,
Sur cette problématique de est-ce que c'est facile ou difficile de tout avoir pour un homme ou pour une femme, les femmes de 20 à 30 ans sont légèrement plus optimistes que les hommes, mais elles sont quand même déjà 90% à considérer que non, c'est pas facile. Donc elles ont vu, elles savent un petit peu. Pour autant, elles sont, vous allez le voir, plutôt enclines à penser que pour elles, ça pourra être différent. Elles sont un peu plus épanouies que la majorité des femmes, vous le voyez, 64% à se dire épanouies, 28% à se dire très épanouies, avec toujours cette acception du terme épanouie qui recouvre le fait de cocher la case travail et la case vie familiale réussie. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse aux femmes qui ne sont pas très épanouies ou pas tout à fait épanouies et qu'on leur demande pourquoi, on retrouve que ce sont en majorité des célibataires. Autrement dit, à cet âge-là, la problématique de la conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale, ça consiste déjà à essayer de construire une vie familiale. À titre personnel, la seule fois dans ma vie où on m'a demandé dans un entretien d'embauche comment je pensais concilier ma vie personnelle et ma vie familiale, je sortais de l'école et je n'avais ni l'un ni l'autre. Et depuis, fort heureusement, on ne me l'a jamais plus demandé. Elles ont plutôt un niveau d'études un peu plus faible que les autres et elles sont davantage au chômage, celles qui sont moins épanouies ou se disent moins épanouies. Donc vous voyez que ce sont celles qui n'ont pas encore un peu d'assurance sur le fait de cocher ces deux fameuses cases travail et famille. Elles ont une vision des femmes actives qui est extrêmement positive et vous voyez ici le chiffre en haut de la deuxième colonne. Le critère le plus déterminant pour elles, c'est que les femmes actives sont indépendantes. La première vertu de la femme active, c'est vrai pour toutes les femmes, un peu moins pour les hommes, c'est d'être indépendante, et ça c'est 80% des jeunes femmes qui nous disent d'abord l'indépendance. L'organisation pour elles vient après un critère qui est moins fortement valorisé par les hommes et par les autres femmes, qui est la modernité. Donc en fait ça ne se discute pas tellement. Quand on a 20 à 30 ans, on veut être une femme active parce qu'on veut être une femme moderne et indépendante. Mais on ne veut pas que ça. Vous avez entendu Laurence et ses 24 ans. Elles n'ont pas de difficultés, pas plus de difficultés que les hommes à imaginer... Elles ont les mêmes difficultés que les femmes, et donc encore un peu plus que les autres femmes, et donc un peu plus que les hommes, à imaginer une négociation salariale ou une négociation de promotion. Donc toujours cette timidité, cette peur de demander, qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Elles considèrent qu'il est parfaitement anormal de privilégier les hommes à l'embauche, donc elles ne sont pas en manque de solidarité, entre guillemets, si je puis dire, avec des femmes qui sont dans des situations familiales plus compliquées. Mais par contre, elles ont une vision des critères qui vont les aider à réussir leur carrière, qui sont très différents de ceux des autres femmes. Et elles sont en priorité dans le développement des compétences. Elles ne sont pas encore dans la gestion du temps. Elles sont d'abord dans le développement des compétences à 75%, ce qui est parfaitement naturel quand on est en début de carrière, mais qui fait qu'elles placent ce critère au même niveau que les hommes. Un peu moins dans l'équilibre, un peu plus dans la performance. 68% d'entre elles pensent pouvoir entrer dans la hiérarchie. Ce chiffre diminue, évidemment, au fil du temps, et dès 30 ans, il passe en dessous de la barre des 30%. Donc c'est vraiment ça la vraie différence. C'est quand on est jeune, quand on a entre 20 et 30 ans, la projection sur « oui », je vais entrer dans la hiérarchie, oui, je vais prendre un poste à responsabilité, et beaucoup plus simple qu'après 30 ans. Est-ce que ces femmes-là garderont cet optimisme à 31 ans, ou est-ce qu'elles rejoindront le niveau qu'on va qualifier de pessimisme des femmes un peu plus âgées? C'est toute la question. Autre élément qu'elles semblent avoir intégré bien davantage que leurs aînés, et même davantage que les hommes en général, l'importance du réseau. Je crois que c'est un des points sur lesquels cette génération-là, pour le coup, a quelque chose de différent, et qui méritera d'être discuté dans la table ronde, comment faire son réseau. Vous voyez que pour elles, c'est la clé du succès, pour 52% d'entre elles, et donc c'est un pourcentage particulièrement élevé. Pour autant, elles ont déjà quelques expériences et parfois quelques douleurs, puisque dans cette tranche d'âge-là aussi, je vous rappelle que ces femmes ne sont pas mères, elles sont elles aussi 20% à nous dire qu'elles ont déjà renoncé à une maternité pour des raisons professionnelles. Avec le cortège de choses qui vont avec, c'est-à-dire un tiers d'entre elles qui nous disent regretter avoir renoncé, et puis certaines qui nous disent « ma carrière était trop prenante, je le regrette parce que le travail n'a pas duré ». Ça existe aussi, ça. Déjà, ce petit parfum, si je puis dire, d'amertume, ou cette petite touche que nous retrouvons sur l'ensemble des femmes, quand il faut arbitrer, parfois, on arbitre dans ce sens-là. On n'a pas posé la question cette année de celles qui ont renoncé à des opportunités professionnelles parce qu'elles préféraient s'occuper de leurs enfants ou avoir un enfant. On l'avait fait l'an dernier. Et si vous additionnez ces deux formes de renonciation ou ces deux formes de,
d'arbitrage un petit peu rude, on arrive à plus de la moitié des femmes qui ont soit renoncé à leur carrière, soit renoncé à une maternité. Retournons à Laurence et à la façon dont elle se dit qu'elle va réussir à concilier les choses, puisque c'est la question que nous lui avons posée. C'est la panique. En fait, c'est exactement mon angoisse du moment. C'est comment je vais réussir à être à la fois un jour une mère, une femme et une personne professionnellement performante. Je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut choisir. Je pense qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Et je m'imagine plutôt ma vie comme des étapes. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, j'ai envie de profiter de ma jeunesse. Je pense qu'à un bout d'un moment, j'aurais plus envie de m'investir à fond dans le boulot. Et qu'après, j'aurais envie de faire une pause parce que trop de stress, trop de pression. Et j'aurais envie de faire une pause famille. Mais quand je pense à ça, je me dis que si je fais ça dans cet ordre-là, à quel âge je vais avoir un enfant ? C'est une bonne question. Vous voyez déjà jeune, on commence à anticiper les difficultés. On pense encore qu'on va savoir y échapper. Je leur souhaite à toutes ces jeunes femmes beaucoup d'énergie et beaucoup de positivisme pour réussir à réaliser tout ce qu'elles espèrent. Bonne table ronde. Merci Dominique. On se rend compte avec votre étude que les jeunes femmes se posent beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre dans cette table ronde, qui donc, je le répète, était plutôt à destination des jeunes femmes qui se demandent un peu comment poser les bases d'une carrière réussie. Alors je vais inviter les participants à cette table ronde à me rejoindre. Elle est secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Elle est l'auteur de nombreux rapports sur la situation comparée des hommes et des femmes au travail, mais aussi d'un livre remarqué sur le sexisme ordinaire. Je suis très fière d'accueillir Brigitte Grézy. Mais là, attends. Ah, tu veux. Elle est l'exemple même qu'on peut conjuguer ambition professionnelle et réussite personnelle, puisqu'à 39 ans, cette mère de deux jeunes enfants dirige L'Oréal Paris, une entreprise qui fait rêver les jeunes diplômés, les jeunes femmes. Venez nous rejoindre, Céline Brucker. Elle a créé Diafora, un cabinet de conseil qui forme les femmes au marketing de soi, au leadership. Je suis très heureuse de recevoir Véronique Préocopti. Elle a 27 ans. Après des études brillantes, droit à Sciences Po et ESSEC, cette jeune femme dynamique vient de fonder son entreprise. Elle a surtout créé avec plusieurs copines et copains le réseau Women Up, dont le but est de sensibiliser les jeunes filles à l'importance de constituer son réseau le plus vite possible. Bienvenue à vous, Emmanuelle Duez. Et voilà, nous avons encore un garçon. Nous avons surtout un garçon, diplômé d'HEC et de Sciences Po Paris. Son avenir était tout tracé, mais il a préféré fonder l'Observatoire de la parentalité en entreprise, qui agit pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Bienvenue à vous, Jérôme Ballarin. Alors, je voudrais commencer. Je crois qu'il faut que je passe en mode micro comme ça. Il paraît, hein, c'est la technique. Voilà, je crois que c'est mieux. Je voudrais commencer avec Brigitte Grézy. Brigitte, je voudrais que vous nous disiez clairement pourquoi, alors que les jeunes femmes réussissent mieux leurs études que les jeunes hommes, elles ne réussissent pas mieux leur carrière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement les raisons de ce scandale ? Bien, alors, moi j'aimerais dire que justement pour les jeunes femmes, Il y a trois choses peut-être à éviter. Alors je commence par l'évitement, mais il y a l'action qui se profile toujours derrière l'évitement. La première chose, c'est effectivement le déni de la réalité des faits. Quand on regarde simplement les écarts de rémunération, pour les moins de 35 ans, donc c'est des chiffres de 2009, il y a aux alentours de 10% d'écarts de rémunération.
et ça donne 4% pour les sans diplôme et près de 16% pour ceux qui ont un BTS. Donc les écarts de rémunération, même en entrée de vie active, sont importants. Donc dès le premier emploi. Absolument. Et donc éviter le déni, c'est-à-dire éviter de ne pas regarder, donc regarder en face trois types de barrières qui vont se présenter à elle. La première barrière, c'est la barrière temporelle, hein, ça on la connaît toutes. Se mettre en ménage, c'est faire le ménage. Hein, les hommes, ils font 25 minutes de moins de ménage par jour à partir du moment où ils se mettent en ménage. Les femmes, vous connaissez les chiffres. Et la première barrière, elle est temporelle parce que précisément, il y a une porosité des sphères professionnelles et familiales. Et professionnelles et familiales, il n'y a pas de clivage chez les femmes, c'est elles qui ont l'ingénierie domestique et ça joue. La deuxième barrière, c'est évidemment les barrières organisationnelles au sein des entreprises et les barrières RH, d'évaluation RH. Les jeunes femmes et les plus vieilles sont évaluées à l'aune de critères soi-disant neutres, mais qui sont en fait des critères masculins, c'est-à-dire des carrières qui doivent être linéaires, et la détection des hauts potentiels au moment où ces jeunes femmes font les enfants, c'est-à-dire entre 30 et 35 ans. Et puis la troisième catégorie de barrières, c'est les barrières mentales dont on a parlé, les systèmes de représentation, le poids des normes. Et là, je crois qu'il faut très clairement dire qu'une femme vaut moins qu'un homme sur le marché du travail. Elles sont considérées par les employeurs comme des agents à risque parce que soit elles ont des enfants, soit elles n'en ont pas encore et elles sont susceptibles d'en avoir. Et même quand elles disent qu'elles n'en veulent pas, elles auraient dû en avoir, ou elles devraient en avoir. Bon, alors... Donc autrement dit, il y a ces trois types de barrières, et il faut absolument que les femmes ne dénient pas cette chose-là pour l'avoir bien en face et pouvoir répartir correctement. Oui, c'est un peu l'objet de la table ronde. L'objet, absolument. C'est vraiment, en effet, pas de dresser un tableau mortifère de la carrière au féminin, mais de leur proposer un autre regard sur le monde professionnel et un regard un peu plus réaliste pour qu'elles puissent anticiper. Alors justement, moi, ce que j'aimerais dans cette table ronde, parce que ce matin, on a vu ce que les pouvoirs publics pouvaient faire, et aussi les entreprises d'ailleurs, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde un peu ce que les femmes peuvent faire elles-mêmes, surtout au début de leur carrière. Alors, Véronique Préocopti, vous interveniez, alors on va expliquer ce que vous faites. Vous avez un cabinet de conseil qui vise à introduire la mixité dans les entreprises et à sensibiliser les dirigeants à cette question, comme voilà, l'importance de la mixité, non pas seulement pour des raisons éthiques et d'équité, ça c'est important bien sûr, mais en général les entreprises comprennent aussi les raisons de performance économique. Et donc, dans le cadre de vos formations, vous avez créé une formation pour les jeunes femmes qui s'appelle justement, on vous a piqué le titre en fait de notre table ronde, qui s'appelle « Poser les bases d'une carrière réussie ». Alors je voudrais savoir ce que vous apprenez aux jeunes femmes que vous avez dans cette formation. Et déjà, avant toute chose, qui vous les envoie ces femmes? Et est-ce qu'elles viennent avec plaisir, les jeunes femmes, puisque on est un peu... Les jeunes femmes pensent que c'est un problème un peu de vieille, finalement, la question de l'égalité homme-femme au travail, puisqu'elles ont fait les mêmes études, elles imaginent légitimement que tout ça s'est réglé. Donc, aller dans une formation pour poser les bases d'une carrière réussie, comment elles viennent chez vous? Alors, je crois que c'est un des points importants pour rejoindre ce qu'a dit l'étude Ipsos, du reste, et puis ce que vient de dire Brigitte. Nous, ce sont les entreprises qui envoient les jeunes femmes. Et donc on a des sessions d'une vingtaine de femmes, ces femmes qui sont envoyées d'office, en fait, qui n'ont pas le choix, on leur demande d'aller là, ne viendraient pas, si leur manager ou le RH leur disait pas de venir. Donc à chaque fois que je démarre la session, je dis qui a choisi de venir, personne ne lève la main. Je dis vous inquiétez pas, vous allez quand même passer une bonne journée et je pense que vous regretterez pas d'être venues. Elles sont très inquiètes d'être là entre femmes, c'est quoi, pourquoi on m'a envoyé, quels sont mes problèmes. Et je pose souvent en disant quelles sont vos attentes, évidemment elles n'ont pas d'attente puisqu'elles n'ont pas choisi de venir. Et la première question qu'elle pose, c'est pourquoi je suis là, quoi. C'est pas une attente, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé là? Donc ça, je crois, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit l'étude Ipsos, et je crois que c'est un des plus grands acquis, peut-être, mais sans doute un de nos plus grands défis, c'est que ces jeunes femmes sont convaincues que nous, on a peut-être eu des problèmes parce qu'on est plus âgés, mais qu'elles n'en auront pas parce que le monde a changé. Et parce que leurs copains garçons sont différents, parce que, voilà, le monde a changé. Oui, le monde a changé, on n'a pas la vie de nos grands-mères, mais il y a des choses qui n'ont pas changé, il y a des choses peut-être qui n'ont pas vocation à changer non plus. Et donc si ces jeunes femmes ne sont pas conscientes que le genre a un impact, qu'elles ne seront jamais des hommes comme les autres, qu'elles n'auront pas toujours les meilleurs outils pour faire les bons choix au bon moment,
Donc l'objectif de ces formations, c'est vraiment cette prise de conscience. Alors, qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement ? Et donc, je crois qu'il y a deux, je veux dire très concrètement ce qu'on appelle, mais juste une chose, je crois que l'objectif final de la formation, c'est leur donner envie, leur montrer que c'est possible, leur dire oui, allez-y. On peut tout avoir, moi je crois, mais il y a un temps pour tout. On peut tout avoir, peut-être pas tout à la fois, c'est qu'est-ce que je fais, à quel moment, quand ? La vie est longue, voilà. Et tout se décide pas forcément à 35 ans. Et donc, on leur fait prendre conscience, moi je leur dis souvent, vous l'avez dit, je dis, mais finalement, vous êtes très brillante à l'école, vous êtes meilleure que les garçons. Ce sont les statistiques, excusez-moi, les garçons, mais ça, c'est vrai. Est-ce que c'est à partir du moment où on vous le donne d'un bulletin de salaire que vous devenez moins bonne, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut-il arrêter de vous payer pour que vous soyez bonne? Je dis ça, les entreprises le font déjà, donc on va pas le faire beaucoup plus. Et donc, on leur donne envie, on veut leur montrer que c'est possible, on leur donne quelques tips, des choses qu'il faut savoir. Alors, évidemment, des choses qu'il faut savoir, le plus tôt on le sait, le mieux c'est. Donc, l'idée, c'est de mettre quelques éléments dans l'esprit pour que le jour où elles vont recroiser ça dans l'entreprise... Alors j'y arrive. Concrètement, il y a trois choses. On travaille autour de trois choses. On travaille, alors c'est la table ronde suivante, mais c'est un des points importants. On travaille autour de la notion de cycle de vie, cycle de carrière. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. C'est pas tout au même moment. Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être au-delà de la carrière par phase. C'est cycle de vie, carrière, quoi. Hein. C'est vie, carrière par phase. Voilà, c'est qu'est-ce que je fais à quel moment. Et on travaille sur les questions... Les règles du jeu, qu'est-ce qu'il faut savoir pour réussir dans l'entreprise, mais peut-être plus que dans l'entreprise, réussir globalement. Donc on travaille avec ce mot barbare du marketing de soi, je reviendrai dessus, et sur le réseau. Alors ce que je vois, une des différences, c'est qu'effectivement les jeunes femmes aujourd'hui sont plus sensibilisées au réseau. Je redirai ce qu'on fait, c'est pas tellement pour leur dire ce qu'on fait, c'est pour les réconcilier avec ces notions, parce qu'elles savent que c'est important. Maintenant, on sait qu'il faut faire du marketing de soi. En gros, tout le monde a entendu. On sait que le réseau est important, mais l'idée, c'est de se réconcilier avec ça, parce que souvent, elles ne veulent pas faire. Alors, je voudrais que vous soyez un peu plus clair, juste que vous expliquiez, en fait, ce que ça veut dire, tout ça. Parce que, voilà, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, le marketing de soi, le réseau. On a fait des ateliers dans la partie forum là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être que vous nous parliez de l'aspect politique de la carrière, alors, c'est-à-dire ce qui n'est pas la compétence technique. On a chacun une compétence technique quand on sort d'une fac ou d'une grande école. On apprend quelque chose, on apprend un métier, mais il y a une dimension politique dans le travail, c'est-à-dire comment on se comporte avec les autres, comment on gère son chef, tout ça. Je vais vous donner deux exemples très précis. Voilà. Quand on dit... je ne sais pas ce qu'on met derrière les mots politiques, parce qu'on met plein de choses, mais je vais vous donner deux exemples très concrets quand on parle de marketing de soi. Moi, je donne aux jeunes femmes souvent le syndrome du ver luisant. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un ver luisant. Ça brille dans la nuit, on repère le ver luisant. Et, parce qu'en fait, souvent, les jeunes femmes ne veulent pas communiquer sur elles-mêmes en disant « si je communique sur moi-même, c'est un signe d'arrogance. » Voilà, je ne veux pas... Parlez de moi parce que je ne veux pas paraître arrogante. Et moi, je leur dis, c'est, je pense, l'inverse. C'est ne pas communiquer sur soi qui est arrogant, parce que finalement, quelque part, vous vous prenez pour des vers luisants, parce que vous avez l'impression que finalement, ce que vous faites, c'est tellement bien que tout le monde va le voir. Mais la réponse est non. Même si vous avez les compétences, même si vous communiquez bien, tout le monde ne va pas le voir, pour un tas de raisons. Donc, travaillez bien, avoir de bons résultats, et que personne ne le sache, je dis arrêtez, ce n'est pas la peine. C'est idiot, si on travaille bien, on travaille beaucoup et personne ne le sait, autant ne rien faire. Quoi. Donc le faire savoir. Le faire savoir. Très communiquer bien. Sur ce qu'on fait est quelque chose d'essentiel, aussi important que de savoir le faire. Voilà, parce qu'on dit souvent, ça ne sert à rien. Un deuxième exemple concret, donc ça c'est le faire savoir, c'est le faire savoir à qui après. Le faire savoir à qui, et c'est là où il y a toute cette notion de réseau. Alors le réseau, on va en parler un petit peu plus tard dans la table ronde. C'est juste pour donner un point et un élément clé, c'est de dire souvent, il faut inverser les choses. Il ne faut pas penser à qui je connais, mais qui me connaît. Est-ce que si on propose quelque chose, si on propose un nouveau projet, un poste, un job, un nouveau client, est-ce qu'on va penser à moi? Et en fait, il faut démythifier le fait que les jeunes femmes, mais pas que les jeunes femmes, hein, parfois d'autres personnes, pensent que l'entreprise va gérer votre carrière, les ressources humaines vont gérer votre carrière. C'est pas vrai. Je leur dis, vous êtes pilote de votre carrière. Vous avez les clés en main. C'est à vous de la piloter. Et donc, c'est à vous de communiquer. Et assurez-vous que les gens qui peuvent avoir une influence sur votre carrière vont penser à vous. Ok. Alors, Brigitte Grézy, je voudrais vous faire réagir sur cette dimension politique, en fait, de la carrière et sur le faire savoir. Est-ce que... finalement, ce qui se dessine là, un peu en creux, c'est est-ce que les jeunes femmes sont moins douées que les jeunes hommes pour faire ça? Ils n'ont pas besoin de formation, les jeunes hommes, pour se promouvoir au travail. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, bon, moi j'aime utiliser une approche historique. C'est vrai que les hommes sont légitimes dans le monde du travail depuis extrêmement longtemps et que même si les femmes ont toujours travaillé, leur légitimité, et notamment au poste de gouvernance, est quand même assez neuve. Et que ce sentiment de légitimité, de confiance en soi, d'estime de soi, qui est quand même essentiel pour progresser, eh bien, il se construit, il a besoin de rôle modèle, il a besoin en quelque sorte de chemin déjà emprunté par d'autres, et notamment par les aînés. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait ce décalage historique. Mais ce que je veux dire en même temps, peut-être, parce que pour être un petit peu poil à gratter aussi, c'est que sur ces jeunes femmes-là, il ne faut pas non plus que pèse le poids terrible du genre « oser être soi-même, aller jusqu'au bout de vous-même, moi je ne sais pas qui je suis, je ne le saurai jamais, je crois ». Et simplement, je crois aussi qu'il faut apprendre et il faut accepter d'être imparfait. Et on est là dans quelque chose d'un poids moral, d'un poids sur les épaules qui est « vous n'êtes pas assez assertive, les hommes le sont, etc. » Et je crois que tous ces phénomènes d'autocensure qu'on connaît bien, qui sont liés justement aux stéréotypes, ils sont là, il faut les mettre sur la table. Mais dans l'accompagnement de ces femmes, il faut aussi leur dire « vous avez le droit d'être imparfaite, vous avez le droit de ne pas être très bonne, y compris comme mère, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une bonne mère non plus. » Alors ça, on va en parler beaucoup dans la deuxième table ronde de l'après-midi. Mais moi, ça me semble important, ça me semble vraiment important de dire cela, parce que je crois que l'essentiel, c'est aussi de dégager le poids de la culpabilité, mais aussi le poids de la pression à l'excellence. Alors Céline Brucker, il y a des sociologues du travail qui ont étudié les questions de carrière au féminin et qui disent qu'une des stratégies, pas mal au fond pour bien construire sa carrière et pour poser les bases d'une carrière réussie, c'est d'essayer d'entrer le plus vite possible dans l'encadrement, de devenir chef assez vite, parce que le raisonnement est le suivant. Ces sociologues disent, comme la culture du travail encore dans les entreprises repose beaucoup sur ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire le fait qu'on est promu et augmenté au nombre d'heures passées au bureau, c'est-à-dire premier arrivé, dernier parti, le fait de devenir chef, vous donne une autonomie de votre emploi du temps, vous avez de moins en moins de comptes à rendre à votre hiérarchie sur vous êtes là ou vous n'êtes pas là au bureau, et du coup, au fond, ça vous permet de gérer votre temps comme vous l'entendez, et donc de mieux concilier vie pro, vie perso. Qu'est-ce que vous pensez de ce conseil en tant que chef d'entreprise, justement ? Alors, je pense qu'il y a du vrai et du moins vrai. Je pense qu'il ne faut pas croire que manager, c'est travailler moins. Ça, je pense que c'est une énorme erreur. Manager, bien entendu, ça veut dire que c'est un autre travail en réalité. Donc, ce n'est pas travailler moins, c'est travailler autrement. C'est essentiellement sur deux critères d'ailleurs, c'est qu'on devient responsable d'une équipe, donc on a tout d'un coup le sujet RH qui rentre en jeu, et ça peut rapidement prendre 50% de votre temps. Moi, c'est le cas aujourd'hui. Vous voulez dire le sujet de s'occuper des autres. S'occuper des autres. Donc, et je dois avouer que c'est passionnant, mais ça prend du temps. Donc ça, c'est déjà 50% de votre temps. Et ensuite, il y a une autre dimension qu'on sous-estime et donc qu'on ne connaît pas quand on n'a pas encore été dans la position de manager, c'est le poids des responsabilités. Alors, le poids de responsabilité, ça peut paraître formidable, mais en fait, c'est très envahissant. Donc, il y a un autre impact sur le temps. Et je dois vous avouer que par rapport à avoir la maîtrise de son emploi du temps, c'est vraiment maintenant, à ce stade de vie, que je commence à l'avoir. Donc, à 39 ans. Ah oui, d'accord. Donc, il faut être numéro un, au fait, pour avoir l'autonomie de son emploi du temps. Oui, mais après, je ne veux pas non plus dresser un tableau noir, parce qu'on voit quand même dans l'étude de Dominique qu'au fond, ces jeunes femmes, elles sont très optimistes. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas leur casser cet optimisme. Et au contraire, il faut s'appuyer sur cet optimisme et leur donner les bons conseils. Justement, je voudrais que vous nous donniez un peu les conseils que vous, quand même, en tant que chef d'entreprise, en plus d'une entreprise qui fait un peu rêver les jeunes femmes, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour justement poser les bases d'une carrière réussie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? On voit qu'elles sont optimistes, on voit qu'elles ont envie, donc il faut juste maintenant y aller. Donc moi, ce que je conseille... C'est quoi y aller ? C'est prendre des risques. C'est faire tout pour émerger. En fait, je pense qu'on est dans une culture où il y a évidemment du monde au portillon, et donc il faut émerger. Et pour émerger, il n'y a pas de mystère, il faut prendre des risques, il faut sortir des sentiers battus, il ne faut pas hésiter à partir à l'international, il faut prendre des missions que les autres n'ont pas envie de prendre. Donc moi, je crois vraiment à cette prise de risque pour, encore une fois, cette stratégie d'émergence, pour sortir du lot et aussi asseoir sa compétence. Moi, je crois quand même beaucoup à la compétence de fond. Moi, je crois que la politique, pour faire de la politique, personnellement, j'y crois pas trop. Le réseau pour le réseau non plus. Je crois beaucoup plus à asseoir un socle de compétences bien solide, fondé sur
sur des faits, sur des missions accomplies, sur des risques pris et relevés, et au fond, après, du coup, communiquer là-dessus, bien entendu. Ok. Alors justement, j'ai une jeune femme dans la salle, Julia Mouzon, qui est polytechnicienne et qui va nous apporter son témoignage. Voilà, je pense que ça tombe à point nommé. Julia, ouais. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, oui. Donc, merci Anne-Cécile de m'avoir invitée pour témoigner. Je vous fais mon parcours en 2 minutes. Donc, je suis polytechnicienne. Ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la direction du Trésor au ministère des Finances. Et je l'ai quittée il y a un peu plus d'un an pour créer une entreprise qui est complètement dans le thème de ce dont on discute aujourd'hui, puisqu'elle s'appelle Femmes et Pouvoir, et c'est une entreprise qui organise tous les ans un forum de femmes élues, de femmes politiques, pour justement qu'elles échangent leurs solutions, difficultés, sur des thèmes de politique publique, et puis qu'elles renforcent leur réseau en interne dans les partis, là où c'est particulièrement difficile pour les femmes de progresser. Quand on en a discuté avec Anne-Cécile au téléphone, du coup, je lui ai un peu raconté. C'est vrai qu'à Polytechnique, comme au ministère des Finances, j'ai évolué dans des milieux qui étaient très masculins. Et je suis passée là, dans un environnement qui est très féminin, puisque je travaille essentiellement avec des femmes élues. Donc j'ai l'impression d'avoir fait un peu ma période bleue, de passer à ma période rose, comme Picasso. Et puis aussi, du coup, d'avoir quitté un monde d'hommes fait par les hommes, c'est un peu caricatural, pour créer moi-même un poste pour une femme, pour les femmes. Derrière cette caricature, il y a 2 présupposés que je voudrais quand même déconstruire ici. Le premier, c'est qu'on est obligé d'être dans un monde de femmes ou cosy, etc., pour réussir. En fait, c'est vrai que je travaille avec des femmes élues, mais j'ai monté une entreprise, donc je suis dans un environnement qui est plutôt masculin là-dessus. 30% des personnes qui créent des entreprises sont des femmes, 70% sont des hommes. Et le deuxième champ sur lequel je travaille et qui me passionne, c'est la politique. Je ne vous fais pas de topo, mais on est dans les mêmes proportions, 75-25, avec historiquement effectivement plus d'hommes. Du coup, ce qui est intéressant pour moi là-dedans, dans cette démarche, c'est la prise de risque dont tu parlais à l'instant, qui est très intéressante effectivement. Et puis c'est aussi de suivre ma passion, parce que je sais que maintenant, si je me pose des questions sur l'articulation entre ma vie privée et ma vie professionnelle, je ferai comme je réussis à faire, comme je fais, comme je réussis à gérer, parce que j'aurai envie de faire les deux à fond. Donc, ça, alors bravo, bravo Julia. Donc ça veut dire que vous avez créé votre boîte. Oui, c'est ça. Et que finalement, vous avez préféré créer vos règles à vous. Donc moi, j'aimerais bien faire réagir maintenant. Je vous remercie pour votre témoignage. Bravo. J'aimerais bien faire réagir Céline sur justement cette démarche. Qu'est-ce que ça vous inspire, une jeune femme qui finalement, bien sûr, elle était à la direction du Trésor, ça devait être un peu moins sympathique que chez L'Oréal, un peu moins féminin, donc très masculin et tout ce qu'elle racontait. Mais quand même, qu'est-ce que ça vous inspire, une jeune femme comme ça, qui est polytechnicienne, donc qui est quand même avec une certaine ambition au départ, et qui finalement quitte l'entreprise et préfère aller créer sa boîte plutôt que jouer le jeu des règles de l'entreprise classique, enfin du monde du travail classique? Moi, d'abord, ça me suscite beaucoup d'admiration, parce que je pense que c'est tout à fait courageux, audacieux, donc ça va tout à fait dans ce que je disais tout à l'heure, prendre des risques, donc je suis très admirative de ça. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment avoir foi en soi, en fait. Je pense que personne d'autre que soi ne sait mieux ce qu'on a envie de faire, et donc il faut vraiment respecter ça. Et il ne faut surtout pas se laisser imposer des choix. Donc si on n'est pas fait, si on n'a pas envie de fonctionner dans une entreprise avec des règles effectivement assez cadrées, il faut effectivement s'en affranchir et encore une fois prendre cette autonomie-là. Et même dans le cas d'une entreprise, je pense qu'effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas laisser l'entreprise tout vous dicter. Je pense qu'il faut vraiment soi-même avoir une vision assez claire de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on est, de ses forces, de ses faiblesses, et faire avec et se donner un cap, en fait, qui est du coup un plan très personnalisé. Donc moi, je crois beaucoup, au fond, à garder cette liberté de tracer son propre chemin en entreprise ou de façon indépendante. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire, la fuite des jeunes femmes comme ça de moi, l'entreprise ? Ça me désole. Enfin, ça me désole pas pour ce projet particulièrement qui est... Non, mais pas pour ce projet particulièrement, parce qu'il y a 30% de femmes créateurs d'entreprises, 70% d'hommes, ça serait bien qu'il y ait 50-50, donc il faut même aussi plus de femmes créateurs d'entreprises. C'est pas ça que je veux dire. Ce qui me désole, c'est quand des entreprises ne savent pas retenir des talents. Voilà. Et que, quelque part, l'entreprise pourrait faire quelque chose pour retenir ces talents-là. Et là, c'est ce qu'on travaille vraiment avec les entreprises, parce que
C'est d'ailleurs le message qu'elle passe aux femmes quand elle les envoie en formation, c'est « on compte sur vous ». On compte sur vous. Et je dis souvent aux femmes, vous avez plus de pouvoir que vous n'imaginez quand même aussi. C'est là où je vous rejoins tout à fait. Ne laissez pas les sots décider pour vous. Ne laissez pas l'entreprise décider pour vous. Voilà. Dites aussi ce que vous voulez. Au pire, si vous ne voulez pas, vous n'avez rien à perdre. Hein. Voilà, allez-y. Donc, si, et je pense que quand on discute avec l'entreprise, moi j'ai des cas de figure en tête sur des choses qu'on pense a priori impossibles, finalement ça se passe parce qu'on a dit ce qu'on voulait. Je ne dis pas que c'est facile de gagner à tous les coups, mais si on ne le dit pas, on est sûr que ça ne se passe pas. Voilà. Donc c'est déjà une des choses de base. Donc je suis ravie que des jeunes femmes comme ça aussi brillantes créent leur entreprise, mais je serais aussi ravie que les entreprises puissent aussi garder des talents aussi brillants. Quoi. Alors on va revenir un peu plus tard sur les stratégies que les jeunes femmes peuvent mettre en œuvre. Mais je voudrais vous interroger, Jérôme. Donc vous avez créé l'Observatoire de la parentalité en entreprise. Et on a bien vu que la question de la vie privée, c'est un peu le nerf de la guerre dans la carrière au féminin. Et on a bien vu avec Brigitte, qui nous l'a expliqué très clairement, que c'était un peu ça, finalement, qui était compliqué dans l'accession à des postes à responsabilité. Donc je voudrais vous poser une question un peu provocante. Est-ce que finalement poser les bases d'une carrière réussie, c'est pas poser les bases d'une vie privée réussie? Et au fond, choisir le bon mec, choisir celui avec qui on va faire ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous me l'aviez suggéré quand on a échangé sur cette table ronde, effectivement, choisir le bon mec. Et en fait... J'ai réfléchi au concept et je me suis dit, mec, il y a trois lettres. Alors on revient un peu en amont sur la vie professionnelle, mais le M c'est pour manager, alors, dans la stratégie. M pour manager, parce que quand on a un entretien de recrutement, ben, c'est peut-être avec son futur manager, c'est peut-être tester si justement il est ouvert sur ouvert aux femmes, ouvert à la carrière des femmes, ouvert à des sujets de conciliation, vie professionnelle, vie familiale. Je parlais du père des enfants là. Mais je vais y venir, c'est la troisième lettre. C'est le C de compagnon, mais voilà. Mais pour avoir un petit acronyme, un petit moyen mnémotechnique, je pense que le manager c'est très important. Hein, 4 femmes sur 10 déclarent stressées à l'idée d'annoncer leur grossesse à leur manager, donc c'est fondamental. Le c'est pour employeur. Hein, pour y revenir rapidement, c'est vrai que c'est mieux d'aller peut-être chez un employeur signataire de la charte de la parentalité ou qui met en place des solutions de crèche, de télétravail, etc. Bien sûr. Qui forment aussi ses managers, hein, comme nous le faisons dans le cadre notamment de 1762 consultants, par exemple, des ateliers sur manager la mixité. Hein, on forme les managers à prise de conscience sur les stéréotypes, sur les enjeux économiques et humains pour l'entreprise, où on les sensibilise aussi sur des nouveaux modèles de performance, moins présentéistes, moins dans le sacrifice, dans l'effort, mais plus dans la recherche d'un cercle vertueux entre équilibre et performance. Et puis le C, donc pour compagnon, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus stratège de choisir un compagnon qui ne mise pas tout sur sa réussite professionnelle, hein, pour éviter peut-être un choc des ambitions, quelqu'un qui va privilégier aussi l'équilibre de vie, qui a des vraies aspirations en termes de vie de famille, et on le voit monter dans les nouvelles générations notamment, mais pas seulement. J'avais remis un rapport au gouvernement il y a un an où j'interviewais une douzaine d'hommes et, de tous âges, de tous statuts, et qui montraient vraiment qu'il y a cette aspiration montante chez les hommes. Et puis également un homme qui accepte de partager bien évidemment les tâches domestiques et familiales. Voilà, donc là peut-être regarder ses valeurs, d'où il vient, peut-être son modèle familial, même s'il ne faut pas l'enfermer, je dirais, il peut aussi s'être défini par... C'est mieux s'il a une mère qui travaille. Peut-être, mais enfin bon, là aussi, faut pas enfermer les gens non plus dans des déterminants éducatifs, etc. Je pense ensuite que, si je puis me permettre, hein, deux choses complémentaires. La deuxième, c'est sur le mot carrière réussie. Hein, on l'a suggéré déjà, mais je pense que ce qui compte avant tout, c'est de réussir sa vie, et sa carrière, c'est qu'une des composantes. Donc je dirais que peut-être en termes de stratégie globale de vie, c'est plus se dire comment je peux réussir ma vie et sans rentrer dans les pas des autres, hein, de quelqu'un d'autre, mais plutôt en cherchant soi-même quelle est finalement, comme dirait Paolo Coelho, sa propre légende personnelle. Et enfin, j'y reviendrai peut-être après, mais c'est vrai que cette question de faire positiver les hommes aussi sur ces sujets est fondamentale. C'est vrai que c'est
un engagement que j'ai depuis longtemps là-dessus. Ah oui. Éviter d'être dans la culpabilisation, dans le politiquement correct, essayer de ne pas te décourager. Hein, on le voit y compris dans la vie, dans les tâches domestiques, familiales. Voilà, encourager, laisser prendre sa place. Et ensuite également encourager, essayer de montrer à l'homme, et je terminerai par là, que l'égalité homme-femme, c'est aussi une chance pour les hommes. Ça leur permet à eux aussi d'accéder finalement à une réussite plurielle. Très bien. Écoutez, c'est très bien. Alors dans la vie, c'est très bien, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'ateliers dans l'espace forum, parce que c'est vrai que nous, les jeunes femmes et les femmes plus mûres, on a balayé devant notre porte sur les questions de partage des tâches. Parce que très souvent, on reproduit nous-mêmes les stéréotypes, et donc les hommes ne prennent pas toute leur place dans la vie privée, dans la vie personnelle, dans les tâches familiales, parentales, domestiques. Peut-être parce que parfois, on est un peu trop dans l'hyper-contrôle et qu'on fait des remarques sur l'habillement des enfants fait par le père, etc. Tout ça, il faut le lâcher. Il y a un atelier, d'ailleurs, dans le corner « Simplifiez-vous la vie ». Non. Pardon, les hommes sont avec vous. Il y a un atelier sur comment impliquer votre homme à la maison. Et dans cet atelier, une jeune femme vous expliquera, enfin explique vraiment qu'à la maison, la règle, c'est celui qui fait qui a raison. Et je crois que c'est vraiment une très bonne règle. Alors, puisqu'on est sur la vie privée, il y a la question de l'enfant. C'est un peu délicat, je trouve, d'aborder cette question, mais c'est des questions que se posent vraiment les jeunes femmes dans leur parcours de vie. Il y a aussi surtout des grandes patronnes qui disent, avec un peu de recul, qu'au fond, il faut être un peu stratège aussi par rapport à la question de la grossesse et qu'il faut faire ses enfants soit très très tôt, quand on est un peu interchangeable encore dans l'entreprise et facilement remplaçable et que ça pose moins de problèmes, soit un peu tard, une fois qu'on a bien assis sa carrière. Alors moi, Céline, je voudrais vous interviewer là-dessus, parce que est-ce que c'est pas un peu choquant de recommander ça aux jeunes femmes, de choisir, parce qu'au fond, faire ses enfants, c'est quand même pas un plan de carrière non plus, quoi. On les fait un peu comme on peut, en fonction de l'évolution de sa vie privée. Moi, je crois surtout qu'il faut faire pas trop tard. Je ne sais pas sur le reste, mais en tout cas, certainement pas trop tard, parce que, évidemment... Donc, vous souscrivez quand même à ce conseil de pas faire ses enfants trop tard. Oui, parce que je pense que ça devient physiologiquement plus compliqué. C'est un lieu commun, mais c'est une réalité. Donc, je pense qu'il faut en avoir conscience et pas se voiler la face là-dessus. Donc, il ne faut pas remettre à plus tard quelque chose qui est probablement fondamental pour soi. Donc, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir pour soi ce qui est important et certainement ne pas mettre ça de côté, surtout quand c'est quelque chose aussi fondamental. Mais encore une fois, je ne vais pas apporter de jugement, parce qu'il y a certaines femmes qui ne le souhaitent pas, et ça, c'est tout à fait respectable aussi. Donc, après, je ne pense pas qu'il faille non plus tout calculer, parce que, voilà, une grossesse, ça ne se calcule pas si bien que ça, finalement. Après, je pense que malgré tout, c'est toujours plus facile, je dirais, mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est plus facile d'avoir ses enfants quand on a déjà assis un certain socle de compétences et de notoriété. Alors, c'est un peu compliqué, donc, parce que... Ce que vous dites, pas trop tard, mais en même temps... Non, mais je pense que là, autour de la trentaine, ce qui est quand même la moyenne française d'ailleurs, ça me paraît pas mal, en fait. Véronique, je crois que vous voulez réagir. Oui, je veux réagir parce que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi, je fais partie de ces femmes qui, il y a déjà quelques années, n'osaient pas annoncer leur grossesse à leur employeur. Donc, quand 18 ans plus tard, je vois des jeunes femmes qui n'osent toujours pas aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et dans cette session jeunes femmes, j'ai la question, hein. Madame, à quel âge doit-on faire un enfant? Je vous assure, on me pose la question. Donc moi, j'ai une réponse assez simple, hein, mais c'est la mienne, qui est de dire, déjà, est-ce que vous connaissez le papa, le potentiel papa? Est-ce que vous en avez un? C'est quand même la base. Est-ce que vous en avez envie tous les deux? Bah, si vous en avez envie tous les deux, allez-y, quoi. Ça doit être le bon moment. En revanche, voilà, c'est si vous avez le papa et si vous en avez envie tous les deux, ne vous posez pas trop de questions, parce que ça ne sera jamais le bon moment, sinon, par rapport à une carrière. En revanche, ce que je veux dire, c'est ne vous posez pas les problèmes avant qu'ils arrivent. Parce que ce qu'on voit trop souvent, je vois beaucoup de jeunes femmes qui disent « Ah, mais je ne veux pas rester dans cette entreprise parce que le jour où j'aurai des enfants, ça ne sera pas possible. » Alors là, je lui dis « Mais est-ce que tu as des enfants ? Non. Est-ce que tu es enceinte ? Non. Est-ce que tu es mariée ? Non. Est-ce que tu as un compagnon ? Non. » Bon, bah, tu verras le jour où tu auras un compagnon. Bien voilà. Sûr, donc, ne vous posez pas non plus les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Voilà, c'est le... Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant à la question purement professionnelle de la carrière au féminin et du début de carrière.
Et donc, je voudrais vous interroger, Emmanuel, sur la question du réseau qui vous tient tellement à cœur. Emmanuel, vous avez donc créé ce réseau Women Up pour sensibiliser les jeunes diplômés le plus vite possible à cette question. Alors, manifestement, vous avez fait déjà du bon boulot parce que l'enquête Ipsos nous montre qu'elles sont sensibilisées. Alors, je ne sais pas si c'est à vous qu'on le doit, mais sûrement un petit peu quand même, par toutes vos actions. Je voudrais concrètement que vous m'expliquiez, dans cette table ronde, que vous expliquiez aux jeunes femmes qui sont là dans la salle, qu'est-ce que c'est faire son réseau ? Est-ce que c'est adhérer à un réseau de femmes ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà, je voudrais juste expliquer la démarche pour laquelle on a, pour la raison pour laquelle on a créé Women Up, alors qu'on avait à l'époque 23 ans, et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet du réseau qui ne touche personne à 23 ans, ni les hommes ni les femmes. On a fait une enquête pour Deloitte pour comprendre pourquoi les femmes n'accédaient pas au poste à responsabilité. Deloitte, entreprise d'audit. Il faudrait parler mieux là. Et on a rencontré une cinquantaine de femmes, des femmes hyper brillantes, des femmes de 25 à 55 ans, qui avaient tout en commun le fait d'être éteintes. Donc ça nous a particulièrement choquées. Éteintes ? Elles étaient éteintes. Après 30 ans, elles étaient clairement désabusées. Et elles nous ont toutes expliqué, les filles, dans notre carrière, il y a un moment où le réseau est devenu extrêmement important. Où on avait besoin d'avoir un cercle d'alliés, un cercle de soutien, des gens qui pourraient éventuellement nous recommander, des gens avec lesquels on aurait créé des liens. Et en fait, ce réseau, on l'a pas. Et pour les femmes qui avaient plus de 35 ans, on s'est rendu compte de l'importance du réseau beaucoup trop tard. Et donc, elles nous ont donné un conseil, elles nous ont dit « Construisez votre réseau dès l'entrée dans la vie professionnelle ». Donc, forte de ce conseil extrêmement précieux, on a créé Women Up pour sensibiliser les jeunes hommes et les jeunes femmes à l'importance du networking avant même l'entrée dans la vie professionnelle. C'est quoi le networking ? C'est quoi le réseau ? Alors, c'est quoi le réseau ? Le réseau, c'est des gens qu'on peut solliciter, avec lesquels on a créé des liens sincères, parce qu'on partage un socle de valeurs commun, ça c'est très important. Un réseau, c'est des gens auxquels on va donner quelque chose et qui, éventuellement, peut-être, un jour, nous rendront l'appareil. Un réseau, c'est pas utilitariste, c'est des vrais liens, ça c'est extrêmement important, parce que quand on a 25 ans, on a vraiment l'impression que le réseau, c'est sale. C'est notamment un verbatim qu'on a eu à l'ESCP. Réseauter, c'est comme se prostituer. Eh ben non, réseauter, c'est se faire des liens, créer des liens extrêmement forts, extrêmement puissants. Réseauter, c'est un investissement. Et à l'intérieur de l'association Women Up, on donne des règles très très concrètes, parce qu'à 25 ans, on est très démunis par rapport à la création de réseaux. Et donc, je vais me permettre de les dire pour toutes les femmes qui sont dans la salle et qui ne les connaissent pas. La première d'entre elles, c'est que pour réseauter, il faut avoir l'occasion de le faire. Et donc, il faut aller dans des événements où on rencontre des gens. Donc, il faut éplucher toutes les newsletters sur Internet qui concernent vos cercles d'activité, vos centres d'intérêt, pour se faire inviter à tous les cocktails, tous les événements, toutes les rencontres, pour aller voir des gens. Ensuite, avant d'y aller, il faut faire la liste de vos targets. C'est idiot. C'est quoi vos targets ? Les targets, ce sont les gens à qui vous voulez absolument parler. Donc faites la liste et vous essayez de définir un petit peu pourquoi est-ce que vous souhaitez parler à cette personne. La troisième chose, c'est qu'avant d'aller à l'événement, vous choisissez votre tenue. Ça, c'est très important aussi, on n'en parle jamais. Mais les super targets, elles ont une file d'attente de gens qui veulent absolument leur parler. Donc il faut être la personne dans la file dont il se rappellera après. Et il y a des petits trucs et astuces hyper faciles. On met une veste de couleur, on met des lunettes roses, on est super sympa, on a vachement d'humour, n'importe quoi. Mais on fait quelque chose pour se distinguer des autres qui va nous permettre après de dire « Rappelez-vous, j'étais la fille avec la veste orange. Okay. » Ensuite, je finis parce que c'est pas très très long. Il faut absolument avoir toujours sur soi des cartes de visite, même quand on est étudiant, même si on n'a rien à mettre dessus. On met « Je m'appelle Emmanuel et je suis super sympa ». Au moins, on a quelque chose à donner pour recevoir en échange. On envoie un mail dans les 24 heures à la suite du rendez-vous et on essaye de placer dans le mail un petit détail personnel. Ça aussi, c'est très important. Si la personne nous dit « Bah voilà, je suis hyper triste, mon chien s'est fait écraser hier », on dit « Bah voilà, bah toutes mes condoléances pour votre chien, je m'en suis rappelée, est-ce qu'on pourrait boire un café ?» Très bien. Alors Emmanuel, j'ai bien compris, donc il s'agissait de tisser des liens avec des gens qui pouvaient éventuellement nous aider un jour dans notre vie professionnelle. Alors justement, j'ai une étudiante de Sciences Po qui est en deuxième année de Sciences Po, qui s'appelle Aminata Koulibaly et qui voudrait vous apporter son témoignage et ses remarques. Aminata, est-ce que vous avez un micro ? J'aimerais bien que vous vous leviez. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aminata Koulibaly. Vous m'entendez ?
en deuxième année à Sciences Po Paris. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la nécessité de se construire un réseau au plus tôt. Donc moi, je me présenterai rapidement. Je viens de Clichy-sous-Bois, donc de la banlieue parisienne. Je suis la dixième, enfin la dernière d'une fratrie de 10 enfants. Ma mère était femme de ménage. Mon père, comme vous pouvez l'imaginer, n'était pas dirigeant d'une entreprise du CAC 40. Donc je me demande si cette question, quand vous me dites qu'il faut se construire un réseau au plus tôt pour réussir, si ce n'est pas une question un peu de nantie, si elle n'est pas un peu connotée beau quartier. Ok, alors je vais te répondre. Merci beaucoup pour votre intervention, merci. Aminata. Je trouve que c'est très très intéressant d'avoir votre réponse, Emmanuel, parce que c'est vrai que le réseau, ça peut quand même sembler être quelque chose de privilégié. Et on se demande si c'est ouvert à tous. Alors Aminata, moi je viens de Clermont-Ferrand, mes parents sont ch'tis et mon père était également au chômage. Donc sache que non, la création de réseau n'est pas quelque chose pour les nantis. Je pense que là où tu as mis le doigt sur une réalité, c'est qu'effectivement la prise de conscience de l'importance du networking, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et les grandes écoles sont clairement favorisées par rapport à ça. En fac, le mot networking, ça ne veut rien dire. Donc je suis d'accord. Par contre, la capacité à créer son réseau... J'ai pas compris. En fac, quoi ? En fac, le networking, ça ne fait écho à rien. Ah, le networking, pardon. Ça ne fait écho à rien. Par contre, la capacité qu'on a à créer un réseau, ça n'a rien à voir avec l'origine sociale, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ça a tout à voir avec l'intelligence humaine que toi tu as et avec ta personnalité. S'inscrire à des newsletters, tout le monde peut le faire, c'est sur le web. Créer du lien avec les gens, ça ne dépend que toi. Il y a des polytechniciens qui sont des inaptes sociaux, il y en a des géniaux aussi. Mais voilà, ils ont beau sortir de Polytechnique, ils ne sauront pas créer un lien privilégié avec quelqu'un parce qu'ils ne seront pas dans cette démarche de sincérité et de partage de valeurs. Donc voilà, c'est vraiment, le networking, c'est un sport, c'est ce qu'on disait dans l'atelier sur le networking. C'est un sport super sympa où on prend énormément de plaisir, mais c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Je voudrais donner le micro à Brigitte, parce que je crois que Brigitte veut réagir. Oui, moi il me semble très important, effectivement, de networker, mais moi, ce que je voudrais quand même, c'est ce qui me gêne dans cette approche, c'est une approche purement individualiste. Nous avons toutes, alors moi j'ai un peu d'heure de vol, hein. J'ai été dans des lieux extraordinairement difficiles, où il y avait des hiérarchies pesantes. Mais pourquoi est-ce que j'ai pu progresser? C'est parce qu'effectivement j'avais des liens de solidarité avec des supérieurs hiérarchiques ou avec des collègues qui reconnaissaient les compétences. Donc il faut aussi dire que les liens sont très importants, mais ils ne sont motivés pas seulement sur un effet du paraître et d'hyper-narcissisation, d'hyper-égo, mais aussi sur les qualités intrinsèques de la personne et notamment sur le travail. Et moi, je voudrais remettre un peu de sens là-dedans, c'est-à-dire que oui, à la promotion des femmes, bien évidemment, mais je crois qu'il faut absolument prendre en compte la dimension collective et le sens que l'on donne à cette promotion. Moi aussi, j'avais des copains qui me disaient, ah, tu sais, moi j'ai mon réseau, celui-là, il n'est pas intéressant, je le barre. Et j'allais toujours voir, moi, les gens pas intéressants, parce que c'était ceux qui m'intéressaient le plus d'une certaine façon. Et je crois qu'il faut aussi faire confiance de temps en temps au hasard. Et il faut aussi faire confiance aussi, parfois, à cette étincelle de sympathie et de solidarité qui est liée entre des individus compétents, rigoureux. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans une forme de nouvel arrivisme individuel dans cette promotion et cette prise de risque. Oui à la prise de risque, oui à l'assertivité, mais dans un collectif de travail, il y a bien d'autres relations d'interdépendance qui jouent et avec lesquelles il faut bosser. Bien sûr, Brigitte, hein, ça c'était l'objet beaucoup de la table ronde du matin. Bien sûr. Mais voilà. On est tout à fait d'accord. Alors écoutez, est-ce que quelqu'un veut encore réagir? Parce que je voudrais peut-être interroger Clément sur les tweets, savoir si on a eu des réactions sur Twitter. Et vous faire réagir d'ailleurs. Oui, Anne-Cécile, il y a eu des réactions sur Twitter. Alors d'abord, Justine qui nous dit « Je me rends compte qu'on a toutes des questions similaires en réagissant au titre même de la table ronde. » Donc c'est plutôt, voilà, et elle n'est pas la seule à le dire. On a beaucoup de réactions sur la question de devenir chef. C'est-à-dire des jeunes femmes qui disent « D'accord, on devient chef, vous dites de devenir chef, très bien. Mais concrètement, je fais comment, moi, pour devenir chef ?» Et puis on a aussi des gens qui nous parlent de la génération Y, cette fameuse génération Y qu'Emmanuel Dez représente, comment passer chef, ok, mais quand les entreprises ne font pas confiance aux gens qui ont moins de 35 ans,
comment est-ce qu'on fait concrètement pour passer chef très tôt, voilà. Et puis les dernières questions qui se posent, c'est sur la question de la maternité. Faire un bébé tôt, d'accord, mais faire un bébé tôt, est-ce que c'est pas tout de suite se griller en entreprise compte tenu de tout ce qu'on entend sur... Alors, on va faire réagir Véronique sur la première question, sur la question de devenir chef. Alors déjà, moi je suis ravie par les tweets, c'est bien que la question soit posée déjà, je trouve, comment devenir chef, ça montre qu'il y en a qui ont envie déjà, donc ça je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on ne montre pas toujours qu'on en a envie, c'est un autre problème, donc déjà quand on pose la question c'est déjà la moitié, une partie du chemin qui est faite. Après, il faut le dire, il faut le demander, alors ça ne suffit pas, moi je fais l'hypothèse que c'est... que les gens ont la compétence, hein. On est d'accord, ça compte, hein. Tout ça c'est pas sans compétence, c'est clair. On est là, nous, c'est des gens qui ont du talent, vous avez tout du talent, vous avez tout quelque chose à donner. Donc l'entreprise sait que vous avez du talent. Mais elle ne sait pas forcément que vous avez envie de devenir chef. Donc il faut le communiquer. On dit souvent, nous, on a plus facilement ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Hein. Les études le montrent, hein. Les femmes demandent moins que les hommes. C'est vrai, c'est pas une généralité, c'est statistique. Les femmes demandent moins que les hommes. Et comme la règle, c'est de demander, si vous ne demandez pas, on ne peut pas savoir que vous le voulez. Mais les femmes, et nous, on croit trop, je ne sais pas ce que tu voulais dire, pardon, les jeunes femmes, et ça, c'est dans toutes les formations à chaque fois, elles croient trop que parce qu'elles ont bien travaillé, elles sont compétentes, elles vont être bien évaluées, on va leur proposer de devenir N+1, le niveau du dessus. La réponse est non. Je dis souvent, c'est la mauvaise nouvelle de la journée, mais la bonne, c'est que si vous le demandez, vous l'aurez. Donc non, c'est pas parce qu'on travaille bien que ça suffit. Si on ne communique pas sur ce qu'on a envie de faire, et chacune peut avoir envie des choses différentes, je dis souvent, ne laissez pas les autres deviner. Ne laissez pas les autres penser pour vous, dites-le. Donc, on a plus facilement ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Je crois que l'entreprise aujourd'hui fait aussi confiance. D'ailleurs, la question pourrait être posée autrement, parce que quand on dit comment on peut devenir chef tôt à 35 ou 40 ans, moi je travaille pour des entreprises où on dit si on n'est pas chef à 40 ans, c'est qu'on n'est pas bon. Donc il y a aussi le revers de la médaille, il y a la question des âges, on entend les deux. Donc surtout exprimez vos ambitions, demandez-le. On reviendra après peut-être sur la génération Véronique, Y où je dirai un le mot. Demander, mais comment? Parce que c'est pas évident de demander je veux être c'est chef. Là où en fait on revient. Est-ce que ça revient pas à aller demander la place de quelqu'un d'autre, c'est quand même un peu compliqué. C'est pas forcément à son chef qu'il faut le demander si c'est pour prendre sa place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit c'est pas forcément votre manager. Non, mais c'est important parce que aussi les jeunes femmes, quand on demande quelles sont, sur qui pouvez-vous compter dans l'entreprise, quels vont être les gens qui vont pouvoir vous aider dans votre carrière, qu'on peut appeler des sponsors, des mentors, en fait on peut leur donner tous les noms qu'on veut. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est sûrement pas forcément votre manager direct qui sera votre plus grand promoteur, parce que par définition, comme vous travaillez très très bien, il a a priori pas envie de se séparer de vous. Et en tout cas, pas forcément tout de suite, voilà, parce que s'il est très bien, il vous poussera, mais pas aussi... forcément dans les délais. Donc il faut construire, alors je rejoins, ça dépend des mots qu'on donne, mais il faut faire passer ses ambitions auprès des gens qui peuvent avoir une importance dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, il faut le faire savoir. Et puis il y a aussi des manières polies de le faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller demander la place, on peut dire si un jour cette place se libère, quoi, non, voilà. Mais il y a toute la... ça c'est, il faut le faire dans son style. Voilà, il faut le faire en étant à l'aise, il ne faut pas copier un autre modèle, il faut le faire dans non, son style. Non mais c'est vrai, demander la place, une place qui est actuellement occupée par quelqu'un qui partira peut-être à la retraite, ça c'est une stratégie. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple, pardon de te couper, j'ai une femme qui a une certaine expérience et qui a quand même assisté à pas mal de formations dans les réseaux, etc., et il y avait un poste qui se libérait dans l'entreprise. Elle m'a dit, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée voir le président, j'ai dit, écoutez, moi, cette fonction, ça m'intéresse. Il a dit, je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait vous intéresser. Voilà. Oui, parce que, si elle ne l'avait pas fait, il ne pouvait pas l'imaginer. Je ne dis pas que c'est à tous les coups, mais si on ne le dit pas, il y a peu de chances que les gens le sachent. Ce n'est pas forcément qu'en le disant, ça va marcher tout de suite, mais ça sèmera une graine. Ça ne marchera peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Non, il ne faut pas hésiter donc à aller taper aux portes, et aller ouvrir. Alors, par rapport à ça, peut-être que la question... On n'a pas trop parlé de la question du réseau interne. Emmanuel, vous avez parlé du réseau à l'extérieur de l'entreprise, mais le réseau en interne est très important, c'est-à-dire tisser des liens, je crois, avec des gens de l'entreprise qui ne soient pas juste votre voisine de bureau, votre chef et éventuellement votre collaborateur. Oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus de réseaux internes qui se développent, notamment des réseaux de femmes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand je donnais les clés pour construire un réseau, c'est parce qu'il y a énormément d'autocensure chez les jeunes femmes qui n'osent pas le faire. Et donc, elles ont besoin d'un cadre et d'une série de règles très simples à suivre pour commencer à créer du lien.
Après, elles prennent plaisir à le faire et elles deviennent des femmes qui arrivent très facilement à créer du lien, pas forcément par vision opportuniste ou par utilitarisme, juste parce que c'est hyper agréable de travailler dans un environnement où on partage des choses avec ses collègues, avec son chef, avec son manager, avec tous ses collaborateurs. Donc oui, avant l'entrée dans l'entreprise, il faut commencer à travailler sur le networking, et je garderai le mot, parce que c'est le mot qui est employé auprès des jeunes. Il faut mettre ça dans son cerveau, dans son ADN, et après, une fois qu'on est dans l'entreprise, ça vient tout seul, ça devient un plaisir, et c'est des relations humaines, tout simplement. Oui, c'est ne pas déjeuner, tout simplement, tous les jours avec la même personne. Et alors, j'ajoute peut-être ce que vous n'avez pas trop dit, c'est qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a quand même une abolition un peu des frontières et des hiérarchies entre les gens. Alors, tout ça est à prendre avec des pincettes, parce qu'évidemment, le réseau virtuel ne remplace jamais un réseau réel. Hein. On a besoin de connaître les gens en vrai et de tisser des liens avec eux en vrai. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est important pour un premier contact. Brigitte, je crois que vous aviez envie de réagir, non ? Il y avait encore une question, Clémence. C'était la dernière question. Sur les enfants et sur le fait que commencer à avoir des enfants très tôt, c'est finalement peut-être se griller en entreprise. Oui, alors on fera réagir peut-être Céline là-dessus. Moi, je voulais simplement dire, mais comment on sait qu'on a envie d'être chef ? Voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'on sait qu'on a envie de progresser, d'avoir un projet de carrière, peut-être pas réussi, mais en tout cas qu'on a envie de se bouger, quand le supérieur hiérarchique est juste en face de vous, au-dessus de vous, lorsqu'on commence à apercevoir ses manques, c'est-à-dire quand on commence à se dire, tiens, moi, je ferais plutôt comme ça. Et à partir du moment où on met du conditionnel, je ferais plutôt comme ça, et qu'on propose des choses, immédiatement, l'échelon N plus 2 se dit, tiens, celle-là, elle a du ressort, celle-là, elle a des idées. Et en fait, c'est plus par l'innovation intellectuelle, le fait d'oser sur un dossier donné, dans un poste donné, proposer d'autres choses, qu'on finit par affirmer son désir d'être chef. Et après, évidemment, il y a des gens qui vous repèrent, on repère des gens, et c'est évidemment le jeu de la vie qui est que ça se passe bien avec certains, moins bien avec d'autres, et qu'on vous appelle. J'ajoute peut-être une chose sur cette question d'être chef, c'est que des enquêtes ont montré que les femmes étaient toujours atteintes de ce syndrome de la bonne élève, et c'est-à-dire que pour se porter candidate à un poste, elles estiment qu'il faut qu'elles aient au fond 110% des qualités pour le poste. Alors qu'un homme, il paraît qu'il candidate quand il pense qu'il a juste 60% des qualités. Mais c'est l'homme qui a raison, parce qu'en fond, on ne sait pas, tant qu'on n'a pas exercé une fonction, qu'on est capable de l'exercer. Donc c'est vrai qu'il y a une part de risque, mais on apprend aussi en le faisant, et c'est pas forcément des choses qu'on peut anticiper totalement. Donc voilà, il faut aussi peut-être se mettre un peu en risque. Alors Céline ? On a parlé beaucoup de compétences techniques. Moi, je crois aussi une chose pour devenir un bon chef, c'est développer ses qualités humaines. C'est clé, ça rejoint finalement le réseau interne, et je pense que c'est fondamentalement ça, le bon réseau interne. C'est finalement votre fan club, et le fan club pour les bonnes raisons. Hein. C'est les gens avec qui vous avez pu travailler. Et pourquoi c'est important ? Parce que maintenant, plus que jamais, le leadership et le management, c'est un management d'équipe. On ne peut rien faire tout seul. On ne peut bien faire qu'en étant bien entouré, en étant en fait entouré des meilleurs. Et il ne faut pas avoir peur d'être entouré des meilleurs. Et donc, pour avoir accès aux meilleurs, ben, il faut évidemment avoir développé des bonnes qualités humaines pour savoir les valoriser, pour savoir les inspirer, pour savoir les développer. Et donc, qu'ils aient envie finalement de donner le meilleur d'eux-mêmes à vos côtés finalement et en équipe. Donc, je pense que ces valeurs humaines sont vraiment quelque chose à prêter beaucoup d'attention et faire très attention de ne pas être individualiste finalement dans son approche de sa carrière, faire attention de ne voilà, de pas se dire c'est juste moi, je veux devenir chef pour être chef. Ah oui, c'est oui, vraiment, ça, c'est sûr, oui. Vraiment construire des relations humaines très fortes, y prêter très attention et dès le début. Je crois que Jérôme voulait peut-être conclure. Oui, rapidement, c'était juste pour compléter un tout petit peu ces quelques conseils. C'était sur encore une fois, le fait de pas s'oublier, de pas oublier son équilibre de vie. On voit parfois des jeunes gens, des jeunes talents qui rejoignent l'entreprise et qui se crament, entre guillemets, par une sorte de surinvestissement dans la vie professionnelle, qui sont vraiment très ardents de réussir et qui finalement un peu oublient le reste de leur vie.
Et donc, bien prendre en compte qu'une bonne hygiène de vie, c'est aussi source de créativité, c'est aussi source de sourire, de plaisir. Avoir une bonne colonne vertébrale, pas oublier ses passions, ses centres d'intérêt, c'est aussi ça qui fait qu'on rayonne aussi, et, y compris dans l'entreprise, qu'on peut créer des réseaux ensuite, non pas juste sur des bases intéressées, parce qu'on est assoiffé de progression sans trop savoir ce que ça veut dire d'ailleurs, et où on veut aller précisément, mais où on crée des... voilà, on fédère autour de soi aussi des communautés de valeurs et où on peut, je dirais, se construire tout en construisant sa carrière. Bon, bah écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion pour cette table ronde. Merci à tous et à toutes, vraiment. Alors, je sais que certaines personnes sont inscrites seulement à la table ronde qui va suivre. Donc, celles qui veulent quitter celle-là, bah, c'est le moment. Voilà. On reprendra à 15h15 pour la troisième table ronde. D'accord, super. Bon, on va commencer. Alors, femme et mère, penser sa carrière par phase. Cette dernière table ronde est destinée aux mères de famille fatiguées, tiraillées entre leur travail et leur famille et qui peuvent parfois se sentir découragées par les difficultés qu'elles rencontrent, à tout concilier justement. Nous allons essayer dans cette table ronde de leur redonner espoir, de leur redonner de l'énergie et de leur transmettre l'idée qu'une carrière, ça se juge au fond, finalement à la fin et que donc il y a des moments de respiration qui sont possibles dans une carrière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais appeler Dominique Lévy, directrice générale de l'Ipsos, qui va nous faire son enquête. Qui va nous parler de ces chiffres sur la conciliation et les femmes qui cumulent famille et travail. Voilà, un sujet qu'on connaît bien, ça devient une habitude, donc c'est la dernière fois, promis, que je viens vous montrer des chiffres là. On va finir quasiment par le moins sympa quand même, hein. On va parler des femmes qui ont entre 30 et 40 ans, qui travaillent et qui ont des enfants. Voilà, c'est le critère sur lequel on a sélectionné les répondantes à cette partie-là de l'étude. C'est ce que j'appelle l'âge où on jongle. Et je le vois tous les jours dans mon environnement professionnel. C'est le moment où tout arrive en même temps, où tout se cumule et où les choix sont les plus compliqués à faire. Alors paradoxalement, ces femmes de 30 à 40 ans qui ont des enfants et un travail, ce sont-elles les femmes épanouies? Ce sont-elles les femmes qui ont tout, pardon. Donc la question qu'on s'est posée, bah, c'est comment quand on a tout, hein? Quand on a tout pour être heureuse. On vous a jamais dit que vous aviez tout pour être heureuse? Eh bien d'abord, oui, on est vachement heureuse. 75% des femmes de 30 à 40 ans qui ont des enfants nous disent « je suis épanouie ». Bon, il n'y en a que 9% qui sont complètement épanouies, rassurez-vous, mais 66%, elles sont épanouies. Forcément, on est épanouie quand on a un travail et des enfants, puisque c'est ça qu'on est censé faire. C'est ça la définition d'épanouissement. Dans les entretiens qu'on a menés avec les femmes, quand on leur a demandé « c'est quoi tout avoir ?», dans les entretiens qualitatifs, ce qui vient en premier, c'est « avoir un travail et des enfants ». Donc oui, elles y sont, elles ont réussi, et alors? Et alors pourquoi quand même ça ne se passe pas toujours très bien? D'abord parce qu'on manque de temps, en général. Celles qui se reconnaissent, vous pouvez lever la main. Ensuite parce que des fois on manque de temps pour soi. Et puis parce que les conditions de travail ne sont pas toujours satisfaisantes. On n'a pas toujours le job qu'on voudrait, on n'a pas toujours les horaires qu'on voudrait, on n'a pas toujours le patron dont on rêverait. Bref. Mais ça ne vient qu'en troisième. La première chose, c'est la pression sur le temps. Et c'est déjà ce qu'on voyait l'année dernière, quand on avait fait cette étude sur la conciliation des temps privés et des temps professionnels pour elles. Le premier problème, quand même, quand on a tout, c'est qu'on n'a plus le temps de rien. Avec ce bonne vieille histoire du partage des tâches ménagères, donc je vous rappelle, parce que je l'ai quand même beaucoup aimé ce matin, le chiffre un petit peu rigolo de cette étude, 60% des hommes pensent partager les tâches et 66% des femmes pensent les accomplir toutes seules. Et donc, effectivement, il est temps qu'on se mette d'accord sur la notion de partage. Alors, dans les entretiens qu'on avait, on a eu des débats, parce qu'on a interrogé des couples ensemble, on a eu des débats sur le thème, mais si on partage les tâches, je vide le lave-vaisselle. Et on s'est demandé si ça avait une chance d'évoluer, et c'est un peu ce que je disais ce matin, on a quand même un peu une responsabilité, puisque finalement, les garçons, ils ont eu des mères, ils ont eu des modèles familiaux, et nous, on a des enfants. Alors, est-ce que les plus jeunes vont nous sauver l'histoire, et est-ce qu'un peu plus tard, ça va être mieux?
en couple plus tard, vous partageriez les tâches ménagères? Dès maintenant, on commence à les faire. Après, on va se partager les tâches ménagères. C'est logique. C'est logique. Il faut que sur les deux, fassent la moitié du boulot. Sauf si la femme ne travaille pas, là, forcément. Mais après, oui, si on passe son temps à travailler, il reste à la maison, c'est plutôt qu'ils vont plutôt faire la tâche ménagère. Parce que sinon, on n'a pas forcément peut-être de faire les tâches ménagères. Mais si on travaille tous les deux, bah oui, chacun fait sa part. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ne travaillent pas? Eh bien, pardon, j'ai raté ma vidéo, c'est pas grave, mais je vais vous le dire, ils pensent qu'elles ont vachement de la chance parce que quand même, les hommes rapportent de l'argent pour elles et donc elles sont cool, quoi. Bon, donc même avec les enfants de 15 ans, les garçons de 15 ans, on a encore un peu de travail à faire et c'est un des messages que j'avais envie de faire passer. On parle des mères qui travaillent, ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des mères, ce sont des gens, nous sommes des gens qui essayons de concilier le quotidien. Il faudrait aussi qu'on pense un peu à l'avenir, notamment, c'est mon cas, quand on a des garçons. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué notamment parce que quand on a des enfants, on est effectivement sollicité dès que quelque chose se passe mal, que ce soit du côté familial ou que ce soit du côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est malade? Dans 55% des cas, c'est sa mère qui s'en occupe. Et qui prend le relais si la mère ne peut pas s'en occuper? Les parents, les grands-parents. Le conjoint n'intervient que comme troisième possibilité. Ça, c'est un premier souci, ça va au-delà du partage des tâches ménagères, c'est aussi une façon de considérer la valeur du travail de l'un et de l'autre dans un couple où les deux travaillent. Quand une réunion est tardive, dans 54% des cas, c'est le conjoint qui prend le relais, dans 18% des cas, ce sont les grands-parents. Et vous voyez, on disait ce matin que 57% des femmes de cette catégorie se sentent pénalisées dans leur carrière, que 36% des hommes trouvent encore normal de discriminer les femmes à l'embauche, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a ce sentiment, il y a un très joli verbatim qui doit être un peu plus loin dans l'étude, qui nous dit « les hommes, eux, ils sont libres de corps et d'esprit ». Voilà. Il y a ce sentiment qu'une femme, fût-elle au travail, n'est jamais totalement, totalement déconnectée de son rôle de mère, n'est jamais totalement libre de corps et d'esprit. 51% des mères de 30 à 40 ans pensent ne jamais rentrer dans la hiérarchie. Moins de 40 ans et on a déjà renoncé à tout espoir de grimper dans la hiérarchie? Je vous rappelle que c'était 75% des femmes de 20-30 ans qui pensaient rentrer dans la hiérarchie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Comment réussir sa carrière? D'abord, bien gérer son temps. En deux, savoir communiquer. Et en trois, seulement développer ses compétences. Là où les hommes, bien sûr, qu'ils soient pères ou pas, vont mettre l'accent d'abord sur développer ses compétences, remplir ses objectifs, se mettre en valeur. On n'est juste pas tout à fait dans les mêmes objectifs, dans les mêmes critères, dans les mêmes échelles. Est-ce que la condition de parent est pénalisante professionnellement? Oui, pour 57% des mères actives et pour 48% des femmes. Oui, pour seulement 7% des hommes. Donc vous le voyez, effectivement, les hommes sont libres de corps et d'esprit. Effectivement, on n'est pas tout à fait égaux devant la parentalité. Et c'est à cet âge-là que cette réalité-là prend corps et que nous nous rendons compte, que les femmes se rendent compte, bien que oui, tout avoir, c'est possible, tout avoir, c'est difficile, et tout avoir, d'une certaine manière, ça se paye. Retrouvons ce chiffre qui nous a toutes choquées, 20% du total des femmes, on le retrouve sur cette tranche d'âge-là, déclarent avoir renoncé à avoir un enfant ou des enfants pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas rencontré d'hommes qui se soient posé la question en ces termes, donc peut-être y en a-t-il, je ne le nie pas, mais en tout cas c'est une réalité. Les femmes se posent la question, et on en a parlé dans la table ronde précédente, du bon moment pour avoir des enfants. Moi, en tant que vieille dame qui travaille et qui a des enfants, on m'a posé la question un grand nombre de fois, dit « c'est quand le bon moment ?» Je ne sais pas, c'est quand on peut. 43% d'entre elles ont déjà envisagé d'arrêter de travailler, en général pour passer plus de temps en famille, et 62% déclarent que le temps partiel est une des solutions pour tout concilier. Autrement dit, la majorité des femmes est prête à mettre sa carrière entre parenthèses, soit une partie du temps dans la semaine, soit une partie du temps dans la vie, pour arriver à être une mère acceptable. On retrouve le petit couple dont on avait suivi les aventures ce matin, notamment sur la problématique épineuse des tâches ménagères chez eux, avec la question de « est-ce que ça aurait été possible quand l'un de nous deux a dû arrêter de travailler, que ce ne soit pas moi, mon chéri ?»
allez demander un 4/5e quand vous faites, vous avez un poste, quand vous êtes un homme et quand vous avez un poste. Enfin, on vous prend tout de suite pour un rigolo, pour quelqu'un de pas professionnel. Il y a un poids social là-dessus qui du coup défavorise les femmes, puisque les hommes, il y a des tas d'hommes qui seraient d'accord hein, pour avoir un 4/5e. Et là, c'est même pas des problèmes d'idéologie, il n'y a rien, c'est qu'à un moment, à certains âges, enfin une petite période d'âge des enfants, on est complètement asphyxié quoi, par les charges, les horaires des crèches, la distance, enfin on a des problèmes pratico-pratiques qui font qu'il serait nécessaire que les hommes aient un 4/5e, par exemple. Et ça, c'est absolument, si on veut foutre sa carrière en l'air, c'est ce qu'il faut faire, on a un 4/5e. Voilà, si on veut foutre sa carrière en l'air, c'est ce qu'il faut faire. Alors, comment tout concilier? On le leur a demandé. D'abord, la première chose qui leur rendrait service à ces mères qui travaillent, ce sont des services aux horaires plus flexibles. On parle d'abord de la crèche et de l'école. Une aide pour la garde des enfants ou les tâches ménagères. Le télétravail. Les solutions existent. Elles sont envisageables. La plupart des femmes les identifient. La difficulté, c'est que, évidemment, ce ne sont pas des solutions qu'on peut mettre en œuvre au niveau individuel. Ce ne sont pas des choses qu'on peut décider toute seule pour concilier au mieux sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et il manque, comme le disait Anne-Cécile, 500 000 places de crèche dans ce pays. Donc, vous le voyez, les femmes sont encore trop souvent contrainte à ce que ce monsieur appelait assez justement une forme de suicide professionnel. Alors n'allons pas jusqu'au suicide, en tout cas une forme d'anesthésie professionnelle pour réussir à tout concilier et à continuer à essayer de tout concilier seul, c'est-à-dire en faisant soi-même, à son niveau, des arbitrages que la famille, l'entreprise, la société ne font pas assez. Voilà. Merci. Merci Dominique. Vos chiffres sont vraiment éloquents. Donc on va pouvoir enchaîner sur le dernier débat. Je vais appeler mes intervenants à me rejoindre. Alors, elle se présente comme directrice marketing Europe le jour et maman de 4 enfants la nuit. À 36 ans, cette jeune femme salariée de Jolibox, une société créée par des représentants de la génération Y est sans cesse tiraillée entre son métier et sa vie de famille. Venez nous rejoindre, Audrey Barbier-Liedbach. Première femme membre du comité exécutif d'AXA France, elle est également DRH de cette entreprise qui se veut exemplaire en matière d'égalité homme-femme. Franco-américaine, cette carrière woman est également la mère de 2 enfants. Bienvenue à vous, Marine de Boucaud. Économiste, chercheuse et maître de conférences, c'est une femme engagée dans la cause des femmes. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille sur les questions d'inégalité homme-femme au travail. La liste de ses publications est impressionnante. Je suis très heureuse d'accueillir Rachel Silvera. Son métier, c'est d'aider les femmes à être un peu moins perfectionnistes et donc plus politiques au bureau. À la tête du cabinet Talentis, elle leur enseigne à faire leur promo, à se vendre, à s'assumer en tant que leader. Venez nous rejoindre, Valérie Rocoplan. Il considère que la conciliation vie perso et vie pro est l'affaire de tous, hommes comme femmes. Membre du laboratoire de l'égalité et de l'Association française des managers de la diversité, il est vice-président diversité du groupe Orange. Merci d'accueillir Laurent Depont. Alors moi, je voudrais commencer avec Audrey, parce que quand même, 4 enfants, directrice marketing, ça me paraît quand même beaucoup. Surtout que... Quel âge ont vos enfants? Il nous faut un micro. Est-ce qu'il est branché? Oui. Voilà. Donc j'ai 4 enfants de 9, 7 et 3 ans et demi pour les jumeaux. Bon alors, c'est quoi votre vie? Vous pouvez nous raconter un peu comment vous y arrivez? Comment vous y arrivez ou comment c'est difficile peut-être? Comment j'y arrive pas, en fait. faut être vraiment honnête. J'y arrive pas parce que j'arrive pas à voir vraiment mes enfants et à être complètement efficace au bureau comme j'aimerais l'être. Donc voilà, il faut
juste de temps en temps faire des concessions sur l'un ou l'autre. Donc il y en a toujours un qui pâtit à un moment de la semaine ou de la journée. Vous avez l'impression d'être toujours obligé de faire des choix? Ah oui, oui, c'est obligatoire de faire des choix, à moins qu'on puisse emmener ses enfants au bureau ou son bureau à la maison, mais je ne vois pas sinon d'autres solutions. Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans votre témoignage, c'est que je sais que vous travaillez pour une entreprise créée par des gens de 25 ans, donc la fameuse génération Y, qui, paraît-il, met au premier rang de ses préoccupations professionnelles les histoires de conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Donc pourtant, je pensais que c'était plus facile alors. Disons qu'à 25 ans, a priori, on n'a pas encore eu d'enfants et on a à peine une vie de couple, notamment quand on est entrepreneur. Donc mettre au centre la vie privée, je ne crois pas. Ma première semaine, ils m'ont collé une réunion à 19h. Donc ah oui. Je ne pense pas qu'il y ait une vraie prise de réalité sur la conciliation vie perso-vie pro. Et hier, je suis sortie de réunion à 21h30. Ah, d'accord. Mais je me suis levée avant tout le monde, hein. Je les ai laissées continuer. Bon, Marine de Boucaud, chez AXA France, c'est possible les réunions sortir des réunions à 21h30? Bonjour. Non, alors chez AXA France, depuis maintenant un an, les réunions après 18h sont fortement déconseillées. On a une charte, ça a été formalisé, une charte pour mieux travailler ensemble. L'idée, c'est qu'on rappelle les bonnes pratiques de la vie au travail. Donc les réunions, sauf si exception, sont avant 18h. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, on se posait même plus la question. Les gens mettaient des réunions tard le soir. Aujourd'hui, on se dit, tiens, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est exceptionnel? Donc on essaye d'avoir cette prise de conscience. Et alors, je voudrais comprendre pourquoi vous avez changé comme ça. C'est quoi le début de tout ça? Pourquoi alors, vous avez changé ça? L'idée, c'est de concilier, c'est d'éviter que la vie professionnelle déborde sur la vie personnelle. Et ça parce qu'on pense que les femmes et les hommes d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui souhaitent aussi, qui ont des contraintes le soir, rentrer chez eux, c'est qu'ils sont plus motivés quand ils sont plus épanouis. On l'a vu tout à l'heure dans les slides. Donc un peu plus d'équilibre, c'est pas toujours facile d'avoir un équilibre, donc on veut pouvoir le promouvoir. Et quand les membres du COMEX signent cette charte, ça a plus de poids encore. Alors la deuxième raison, c'est aussi parce qu'on pense que dans la perception, on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de femmes qui partent avant 40 ans, où elles renoncent à prendre plus de responsabilités. Donc on a fait une étude et en effet, on voit que les femmes, à un certain niveau de responsabilité, renoncent parce qu'elles se disent il y a le présentéisme qui est essentiel ou alors il y a trop de sacrifices à faire. Donc la charte va dans ce sens, donner à chacun les mêmes chances de développement de carrière. Mais concrètement, chez AXA, vous faisiez face à une fuite des femmes, elles partaient? Alors, elles ne partent pas parce qu'il y en a quelques-unes qui démissionnent, mais elles renoncent, elles se résignent. Donc, elles ne lèvent pas la main, elles ne prennent pas de responsabilité en plus. Donc, on a vraiment voulu avoir une action volontaire par rapport à ça. D'accord. Et Rachel Silvera, on a vu déjà ce matin, et puis on le sait que il y a vraiment une fuite des cerveaux, c'est-à-dire que les femmes sont plus diplômées donc que les hommes en Europe, mais que elles n'accèdent pas au même niveau de responsabilité et qu'elles n'ont pas les mêmes postes et les mêmes niveaux de rémunération. Je voudrais savoir où elles vont les femmes quand elles lâchent l'affaire. Non, alors. Je crois qu'il y a eu des statistiques qui ont été données. Non, peut-être qu'une certaine presse va évoquer le fait que les femmes renonceraient à travailler et retourneraient finalement s'épanouir dans la famille. Or, ces femmes restent minoritaires, surtout si elles sont diplômées. Elles vont plutôt avoir le réflexe qu'on vient d'indiquer, c'est d'être plus résignées, de renoncer peut-être à la carrière qu'elles s'étaient imaginées avoir au départ, ou en tout cas à la carrière que leurs collègues hommes rentrés comme elles, même âge, même couleur, même diplôme, ont et auront. Ça, je crois que ce renoncement, c'est vrai, il se constate. Je donnerai juste une idée, c'est qu'on voit apparaître aujourd'hui un petit peu de jurisprudence, de femmes qui osent comparer leur carrière avec celle d'hommes. Et c'est pas seulement des femmes cadres. Alors on a vu surtout dans la presse certains exemples qui sont sortis sur des femmes cadres qui avaient eu des enfants et qui ont été mises au retour de congé de maternité dans un placard. Elles se battent, on en entend parler, mais il y a eu aussi des femmes ouvrières qui ont gagné. Et on a remarqué au moment où elles partaient à la retraite,
elles ont failli même pas s'en apercevoir que leur carrière, elles sont entrées au S, elles sont passées au P1, donc le premier grade, parce qu'il n'y avait plus d'OS. Hein. Et puis, elles ont fait 35 ans comme ça. Une carrière, c'est pas une carrière, hein, un parcours plat. Ah oui. Alors que les hommes rentrés comme elles, ont eu tous, même ouvriers, ils ont tous eu un petit quelque chose. Parce que, heureusement, dans notre société, on se bat pour avoir une idée d'évolution. Mais pas forcément pour les femmes. Ça peut... Alors, justement, je crois que le thème de la table ronde aujourd'hui, c'est de penser sa carrière par phase. Et donc, de dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, avec l'allongement de la durée de la vie et donc de la carrière, du fait qu'on va devoir tous travailler jusqu'à 70 ans, on peut imaginer avoir des phases de respiration dans une carrière, des phases où on se met un peu en retrait, qui n'empêchent pas l'accélération. Moi, j'aimerais vous interroger, Rachel, sur qu'est-ce qu'on fait pendant ces phases de respiration et de plateau ? Le congé parental, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Se mettre en congé parental, est-ce que ça vous met vraiment en difficulté pour le reste de votre carrière ou est-ce qu'au fond c'est une solution ? Alors, c'est en débat à l'heure actuelle, hein, on ne va pas faire de politique, mais quand même, on sait que le congé parental tel qu'il existe aujourd'hui, en tout cas au niveau des droits et du problème de l'allocation qui en découle, eh bien il pénalise plutôt les femmes. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les plus qualifiées qui le prennent. S'il s'agit de s'arrêter 3 ans, pour en gros 500 euros par mois, on voit bien que le profil recherché dans ce recours, ce ne sont pas les femmes diplômées dont on a parlé tout à l'heure. Quoique, il y a un bémol, c'est cette idée du congé parental qui serait à temps partiel et qui serait plus court. Et il y a des données qui viennent de sortir et qui montrent qu'une part importante de personnes, de femmes, parce que, entre parenthèses, le congé parental, pour les hommes, il y en a, mais une minorité. Hein. Donc, et puis c'était aussi le témoignage qui a été révélé tout à l'heure. Donc le congé parental à temps partiel et court est peut-être une solution, par exemple, d'imaginer un congé parental relais par rapport à... par exemple, on a vu que beaucoup de congés parentaux s'arrêtent en septembre, au moment où on a une place crèche, maternelle, hein, et qu'il y a un décalage dans la famille qui fait que... Donc, je comprends bien que le congé parental de longue durée n'est pas forcément la solution, au contraire, hein, puisqu'il rend très difficile le retour à l'emploi. Je voudrais vous demander ce que vous pensez du temps partiel, parce que nous avons vu dans l'enquête Ipsos que les femmes considéraient que c'était vraiment une option et peut-être même un recours. Oui. Donc j'aimerais vous interroger, Rachel, sur le temps partiel. Alors, est-ce que c'est une solution, le temps partiel ? Je suis connue pour ne pas défendre le temps partiel. Alors évidemment, il y a des temps partiels. Hein. On se bat aujourd'hui contre le temps partiel subi, celui qui est imposé à des femmes avec des miettes d'emploi, quelques heures ici ou là. Par exemple, toutes celles qui... permettent à d'autres de pouvoir travailler et de faire carrière, celles qui travaillent dans l'aide à domicile, celles qui travaillent au nettoyage des grands bureaux où nous travaillons, nous, etc. Donc celles-là, elles sont invisibles. C'est malheureusement pas le sujet parce que ça ne correspond absolument pas à un moyen de faire une pause dans sa carrière. Elles sont dans ce temps partiel à vie. Qui est plus subi que choisi. Là, on parlait un peu du temps partiel choisi. Alors, le temps partiel que l'on dira choisi, moi je mets plein de bémols, je suis connue pour être toujours critique, il faut savoir ce qu'on choisit. Hein. Si on décide à un moment donné, seul et pas son compagnon, de mettre effectivement sa carrière entre parenthèses, de prendre un temps partiel, eh bien on donne un signal particulier à l'entreprise. Il faut voir comment l'entreprise va réagir à cela. S'il y a des garanties pour que ce temps partiel ne soit pas synonyme de moins de promotion, et si vous n'envoyez pas ce signal négatif, comme dans la plupart des cas, qui veut dire « Ah ben celle-ci, elle met sa carrière entre parenthèses, je ne vais pas pouvoir compter sur elle ». Or, rien n'empêche, il y a heureusement des accords égalité qui disent « Les personnes à temps partiel, choisies, peuvent avoir les mêmes promotions, les mêmes projets de carrière. » Et ça, c'est pas encore tout à fait le cas partout. Oui, donc, ça je sais bien. D'ailleurs, je crois que Laurent Depont n'est pas tout à fait favorable chez Orange au temps partiel. J'aimerais bien vous faire réagir. Juste un dernier mot par rapport à ce temps partiel. Attention aussi à celles qui, par exemple, prennent le mercredi, je dis ça au hasard, et qui se retrouvent le jeudi avec tout le boulot à réaliser du mercredi, ou tout simplement, durant le mercredi, grâce à aux nouvelles technologies, elle se transforme en télétravailleuse gratuite. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant que le petit fait son cours de gym, eh bien, voilà, je fais mes mails. C'est vrai que l'employeur...
Elle paye deux fois le temps partiel. L'employeur sait réduire votre salaire, mais pas votre charge de travail. Ça, c'est le problème du temps partiel. Alors, Laurent Depont, je crois que vous aviez des choses à ajouter sur le temps partiel, parce que je crois que vous n'êtes pas tellement favorable. Exactement, pour les raisons que Rachel vient d'évoquer, parce que c'est une forme de piège, souvent, pour un certain nombre de femmes cadres supérieures, qui se disent, je vais prendre le mercredi, parce que c'est bon ton de s'occuper des enfants le mercredi, quand on est une maman attentive, ça fait partie de la mythologie. Et en fait, elles se retrouvent piégées avec les mails, avec le travail à la maison, et résultat, ce que l'entreprise gagne, c'est 20% de salaire, mais elle gagne rien véritablement. Donc il y a d'autres solutions que le temps partiel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des choix éclairés. C'est ce qu'on essaie de promouvoir, et quand on a négocié notre accord égalité professionnelle, c'est ce qu'on essaie de proposer, et on a aussi un accord vie privée-vie professionnelle. Donc on dit, il faut savoir ce qu'on met dans la balance, ce qu'on va recevoir. Donc il y a la question du salaire qui va poser problème, il y a la question de l'organisation. Il vaut mieux trouver d'autres modalités d'organisation. Alors, lesquelles ? Je crois que vous êtes plus pour un aménagement du temps de travail. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, on pense qu'il faut que dans le rapport avec une femme ou un homme qu'on encadre, il faut examiner le fondamental, la mission. Comment est-ce que quelqu'un va remplir sa mission ? Comment il s'organise pour remplir sa mission dans les meilleures conditions ? Donc parfois en partant plus tôt et puis en faisant un peu de travail à la maison, aux horaires qui conviennent aux gens, parce que je crois qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une organisation familiale qui est similaire à une autre. Donc il y a des gens qui se disent « je préfère partir à 17h » et puis travailler une heure à la maison. Il ne faut pas que ça devienne un piège non plus, parce qu'on a effectivement les nouvelles technologies. Il y a d'autres gens qui disent « non, moi je préfère avoir tout bouclé avant de partir ». Et chacun doit trouver le mode d'organisation le plus flexible en disant de temps en temps je travaille depuis la maison, mais ça ne veut pas dire non plus avoir les enfants à côté. Hein. Le télétravail, c'est pas ça. C'est avoir une plage où je me concentre vraiment à la maison, j'évite les transports. C'est ça la question clé, parce qu'aujourd'hui, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail est parfois, surtout en Ile-de-France, extrêmement pénalisant et se fait au détriment de la vie personnelle, au détriment de la vie familiale. Donc c'est ça qu'il faut analyser à chaque fois. Donc concrètement, je crois que vous avez fait quelque chose sur le télétravail chez Orange. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment ça fonctionne ? On a un accord, enfin on est en train de terminer la négociation d'un second accord télétravail, donc ça veut dire que on valorise le télétravail, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est l'encadrer pour ne pas que ce soit un piège. C'est ça la question, c'est pas parce que tous les modes de télétravail existent. Il y a le télétravail gris qu'on fait quand on est cadre sup, c'est pas codifié. Donc là, il y a des questions d'assurance qui se posent. Donc il faut sécuriser les choses. Et puis il y a le télétravail qui est codifié dans le contrat de travail par un avenant où on dit par exemple un jour par semaine ou deux jours par semaine. Faut pas aller au-delà parce que sinon on perd le rapport avec l'équipe et c'est un peu compliqué après pour les interactions, la capture de l'information. Deux jours par semaine, je suis en télétravail et ça m'évite les temps de trajet. Mais dans ces conditions, je n'ai pas forcément à m'occuper de mes enfants quand on a des enfants. Hein, c'est parce que tout le monde n'en a pas, donc on peut être aussi en télétravail pour d'autres raisons. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver une organisation qui corresponde aux besoins de chacun. Je vous cite juste un exemple. On est, nous en France, en train d'aller vers ce type d'organisation, mais notre filiale belge a 40% de ses salariés qui sont en télétravail deux jours par semaine. Et donc c'est devenu complètement logique et on est tout à fait conscient du fait qu'on n'organisera pas de réunion pendant les jours de télétravail parce que c'est ça aussi, l'entreprise doit apprendre à gérer ce type d'organisation. Ok, alors Audrey, ça m'intéresse de savoir si vous pratiquez le télétravail. Tenez, prenez un micro. D'abord, ça m'intéresse pour vous, puisque quand même 4 enfants et le poste que vous avez, ça doit quand même être une solution. Mais surtout, vous êtes manager aussi, donc en tant que manager, comment vous gérez ça ? En théorie, je peux faire du télétravail. Donc ça fait 4 mois que je suis dans ma nouvelle entreprise et j'en ai fait un jour. Mais je désespère pas, j'essaye de m'organiser. Et comme vous le dites, quand on a une équipe à gérer et des responsabilités managériales, on doit être présent au bureau. C'est difficile de manager depuis la maison. Enfin, j'ai pas trouvé le truc. C'est aussi bien de pouvoir se concentrer à la maison. J'aimerais bien réussir à m'organiser à le faire. Et puis les enfants rentrent de l'école à 4h30, ce qui veut dire que le télétravail s'arrête à un moment. Très bien. Marine, chez AXA, est-ce que on va reparler 2 minutes du temps partiel, parce que quand même le temps partiel, donc elle a l'air d'être vécue comme une solution par beaucoup de jeunes femmes. J'ai l'impression que vous êtes moins contre le temps partiel que
que Laurent Depont chez Orange, chez AXA? Alors, en effet, on l'est moins. Moi, je pense que notre approche est depuis 2006 ou bien avant. Enfin, on a un accord depuis 2006, mais c'est d'apporter plusieurs solutions aux différentes réalités des personnes. Donc, on ne peut pas dire que le congé parental est interdit. Il s'impose de temps en temps. Donc, le tout, c'est de rester très court dans le temps et de ne pas perdre le lien. Donc, je reviens à votre question. Le temps partiel, pour nous, est instauré depuis très très longtemps. 33% des femmes sont en temps partiel, un tiers, c'est énorme. Donc, c'est vraiment pratiqué. La plupart des managers savent que dans leurs équipes, ils sont à temps partiel. 14% des dirigeants sont à temps partiel. C'est Moi, je viens de promouvoir donc, une personne de mon équipe, Frédéric, qui est à temps partiel. Donc, on a énormément de personnes au temps partiel et ce n'est pas pénalisant. Et alors, vous les payez autant que si elles étaient à plein temps? Non, j'imagine que non. Alors, mais alors, ça dépend. On a 90%, 80%, etc. On a aussi le temps partiel des vacances. Vous arrivez à diminuer un peu leur charge de travail quand ils ont des postes un peu à responsabilité? Oui, je pense. Après, s'ils sont des dirigeants, c'est à eux de s'organiser. Mais je sais qu'il n'y a aucune réunion organisée le mercredi quand la plupart sont en temps partiel. Mais là encore, c'est une discipline. Je suis d'accord, c'est pas simple. Mais quelques chiffres quand même, parce qu'en 2012, 318 femmes promues, 95 étaient à temps partiel. Donc là encore, j'avoue que c'est l'entreprise qui doit poser les choses, être très proactive par rapport à ça. Voilà. Il y a aussi le télétravail. On vient de signer un accord autour du télétravail. La différence par rapport à d'autres entreprises, c'est que chez AXA, on garde le poste fixe. Beaucoup d'entreprises abordent le télétravail pour couper les coûts et c'est pas du tout notre approche. C'est pour apporter de la flexibilité et de la souplesse. Donc, on garde le poste fixe au bureau. Ce vous voulez dire le bureau, quoi, le bureau physique, c'est ça que vous voulez dire? Le bureau physique en entreprise, pardon, hein, parce qu'il y a deux, du coup, il y a deux bureaux. Mais ça permet à la personne, quand elle est en entreprise, d'être dans son cadre régulier. Il n'y a pas d'exclusion, entre guillemets. Pardon, je suis un peu long. Non, non. Alors, si je comprends bien, il y a quand même, bon, alors, peut-être pas dans toutes les entreprises, mais l'autorisation désormais de pouvoir se mettre un tout petit peu, alors pas chez les Y, mais enfin ça va venir, de pouvoir un peu respirer pendant les périodes où c'est un peu trop dur avec les enfants, quand on a des galères de garde d'enfants, etc., etc. Moi, je pense que toutes les entreprises sont pas encore tout à fait au point sur ces questions-là, et les mentalités sont pas encore tout à fait au point. Donc, j'aimerais bien, Valérie Recoplan, que vous me disiez comment on peut expliquer à un employeur qui n'a pas forcément des chartes de parentalité et des politiques comme chez Orange ou comme chez AXA, comment on peut vendre à son employeur ces phases de plateau, ces phases de respiration professionnelle, sans lui envoyer directement comme message qu'on se met en retrait, qu'on n'a aucune ambition et qu'au fond, maintenant, la seule chose qui nous importe, c'est notre famille. Ça se markete comment, une phase de plateau? Je pense pas réellement que ça puisse se marketer. J'étais très interrogative sur l'histoire du plateau, en fait. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire qu'un plateau? Est-ce qu'un plateau, c'est 4 ans, 5 ans où je reste dans un job, je développe mes compétences, je développe... qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand un homme est 5 ans à un poste, on dit qu'il est sur un plateau ou on dit qu'il creuse son expertise, son expérience? Je me suis questionnée, je suis vraiment très interrogative. Et même femme-mère, penser sa carrière par phase. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui markete le plus le sujet, c'est quand on fait ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'éduquer les managers à qu'est-ce que finalement une carrière, qu'est-ce qu'un manager? Un manager, c'est celui qui valorise la performance, l'efficacité, qui va accompagner la compétence. Et donc, je dirais à la jeune femme ou la femme plus senior, ne parle pas de plateau, parle de compétence, parle d'influence, parle de ton envie de travailler ce job et pour pourquoi parler oui, mais de plateau là, et puis au manager de dire ok, est-ce que vous renforcez la disponibilité et le stéréotype de seuls les gens disponibles sont des gens bien, ou est-ce que vous allez commencer à vraiment travailler, exactement comme tu disais, sur je repère les gens de mon équipe à leur engagement, leur résultat. Mais oui, je vous assure qu'il y a des managers qui ouvrent les yeux comme ça quand ils se rendent compte de leur stéréotype engagement égale présent. Et moi, je me dis qu'il y a des choses à faire. Alors, je vais vous poser la question autrement. Quand on n'a pas la chance d'avoir un manager bien éduqué sur ces questions-là, comment on fait pour l'éduquer soi-même? Parce que c'est difficile. Moi, je l'ai fait, par exemple, et je donne cet exemple que beaucoup de femmes font. J'ai été promue directrice marketing à 28 ans et mon fils avait 1 an.
Et j'étais voir Jean-Jacques, je lui dis, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai un petit bébé. Et Jean-Jacques me dit, ouais, enfin, je sais pas, ouais, pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis, bah, parce que c'est très simple, ce job, je le prends et j'en veux et merci. Je sais pas pourquoi j'ai dit merci, mais je me souviens que je lui ai dit merci. Et je lui ai dit, mais voilà, j'ai aussi cette vie avec mon mari qui s'occupe de mon fils. Et sache qu'après 19h, je ne serai pas là. Alors, ça n'a pas été toujours le cas. Mais c'est intéressant parce que sa réponse a été, ok, tu me challenges, quand je le ferai pas, tu as l'autorisation de me pousser. Alors, tu as raison, Anne-Cécile, il n'y a pas de secret, ça se markete pas, mais peut-être déjà de temps en temps parler des règles du jeu et ne pas avoir peur de les afficher. Et une autre règle du jeu que je découvre, c'est que les femmes ne parlent pas beaucoup de ça avec leur mari. Alors, c'est un truc de fou que je suis en train de découvrir, c'est que quand je travaille sur des séminaires manager hommes-femmes, je demande aux hommes, mais depuis combien de temps vous avez discuté de ce sujet avec votre femme? Quelles sont les règles du jeu que vous avez mises en place? Et en fait, on se rend compte que très peu souvent dans l'environnement familial, il y a une conversation un peu autour de comment tu gères toi ça avec moi, comment tu vois ma carrière. Il y a même un groupe d'hommes avec qui j'étais récemment, je leur ai demandé combien d'entre vous avaient une femme qui fait carrière. Il y en a trois qui ont levé la main, ils étaient juste 25. Je dis, tiens, c'est bizarre par rapport à mes statistiques, 40 ans, double carrière, vous devriez être plus souvent. Il y en a peu chez vous qui ont des femmes qui travaillent. Je dis, mais c'est pas la question que vous avez posée, Valérie. Vous nous avez demandé combien d'entre nous avaient des femmes qui faisaient carrière. Et là, mais c'est ouais. Ouvert un monde dans mes yeux et j'ai appris tellement. Je leur ai dit, il est midi, vous allez les appeler, vous allez leur demander si elles travaillent ou elles font carrière. Et je pourrais raconter la suite de l'histoire. Ça a fait toute l'après-midi du séminaire. C'était de dire qu'en fait, cette conversation, ils ne l'avaient pas eue. Donc ce type de conversation qui fait tomber les préjugés, les stéréotypes, c'est fantastique et c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille. Et mais moi, je voudrais quand même insister, je voudrais quand même vous demander si, quand on lutte contre le présentéisme un peu toute seule, c'est-à-dire, bon, on éduque son manager, quand on n'est pas dans une entreprise sensibilisée à ces questions, et Dieu sait s'il y en a encore, et que est-ce que on peut, admettons qu'on arrive à négocier une sorte de flexibilité de son emploi du temps, et donc de dire au fond, d'éduquer son manager au fait qu'il n'y a que le résultat qui compte, et que si on n'est pas là à 4h de l'après-midi, c'est pas un drame, dans la mesure où le boulot sera fait. Admettons qu'on arrive à l'éduquer à ça. Est-ce que il faut lui dire que au fond on le fait pour des raisons familiales et personnelles, ou est-ce que il faut s'inventer, mentir, s'inventer des réunions à l'extérieur pour emmener son enfant chez l'orthophoniste à 17h? Moi, je pense qu'il faut rien dire du tout, ni quoi que ce soit. Non, c'est pas mentir, c'est rien, c'est gérer son agenda en personne responsable, homme ou femme. Par contre, ce qui est important, c'est raisonner en termes de visibilité. Non pas marketing de soi, j'aime pas trop ça, mais ça veut dire, quel que soit le temps que je passe, c'est plus une histoire de temps, c'est une histoire d'efficacité. Est-ce que je me rends visible auprès des personnes importantes? Est-ce que j'ai besoin de me justifier quand je suis pas là à 16 heures? Je me justifie pas, je m'en vais, on ne sait pas si je suis en réunion ou pas en réunion. Alors, il y a des postes pour lesquels c'est plus facile. Comment, de toute façon, les hommes avec qui je travaille, ils disent, dès qu'on commence à vous voir vous justifier, ça nous donne tellement de bizarrerie ou de levier pour en profiter. Cessez de vous justifier, expliquer éventuellement, mais plus vous justifiez, plus vous dites quelque part vous n'avez pas raison. Donc, très bien. Donc on a compris. Bon, alors écoutez, alors admettons que les femmes puissent s'autoriser des phases quand même un peu de respiration quand elles ont des jeunes enfants et que c'est difficile, par tous les moyens qu'on a vus, le télétravail, le temps partiel quand il n'est pas trop pénalisant dans la boîte où on est. Bon, admettons, l'éducation de son manager à la gestion individuelle de son agenda, admettons ça, et admettons que après vers 40 ans, une fois que les femmes ont élevé un peu leurs enfants, les femmes et les hommes d'ailleurs, puisqu'on est bien d'accord, tout ça concerne également les hommes, les femmes puissent se remettre dans la course de la carrière professionnelle et donc réaccélérer, reprendre des postes à responsabilité, etc. Le problème, c'est que à 40, 45 ans, allez, on va dire à 45 ans, on est senior dans l'entreprise. Donc j'aimerais bien faire témoigner une femme qui est là, Claire Martichoux. Est-ce que Claire est là? Est-ce que je voudrais qu'elle nous raconte un peu son expérience? Bonjour. Levez-vous, Claire. Ben moi, à 50 ans, mes enfants avaient entre 10 et 15 ans, donc j'étais de nouveau libre comme l'air.
Et mon patron, qui était plutôt mon associé d'ailleurs... Vous travailliez où? Dans quel type d'entreprise? Dans un groupe de publicité pour lequel j'avais créé une agence que j'avais revendue. Et mon associé actionnaire, enfin je ne sais pas comment l'appeler, celui avec qui je partageais mes journées, m'a invité à déjeuner pour me dire « Tu sais que tu vas avoir 50 ans cette année ?» Évidemment, c'était un détail qui ne m'avait pas échappé. Et il m'a dit « Ben voilà, ta jeune associée veut régner seule. » Donc on t'a trouvé un placard doré. Alors voilà, j'étais libre comme l'air, mes enfants étaient grands, ils allaient à la cantine, ils s'occupaient tout seuls de leurs activités, et moi, j'avais plus de boulot, j'avais plus qu'un placard doré. Ah oui, mais attendez, il y a quand même une suite à votre histoire, Claire. Oui, il y a une suite à mon histoire, parce que comme ça ne m'avait pas échappé... Sinon, c'est plombant. Ça ne m'avait pas échappé le fait que j'avais 50 ans. L'histoire, c'est que j'ai été excessivement orgueilleuse. Ce truc-là m'a vexée à un point... Et du coup, m'a donné une force extraordinaire. Et je crois que peut-être qu'une de nos qualités, c'est l'orgueil, peut-être plus que les hommes d'ailleurs, et qu'à ce moment-là, il faut savoir l'être et se dire et leur dire « merde ». Et mon mari, il sait dire « merde » aussi. Et en une nuit, donc, plutôt que d'accepter le placard doré, ce que je trouvais très très mauvais pour ma santé, et j'ai dit « ben non, on va négocier ». À ce moment-là, ils m'ont dit « mais tu peux pas nous faire ça, on va se faire engueuler par les Américains ». J'ai dit « merde ». Et donc, j'ai passé un CAP d'esthéticienne et j'ai ouvert des instituts de beauté. Bravo, vraiment bravo Claire. Votre exemple montre quand même que les femmes ont des ressources inestimables et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Mais enfin, elle nous montre aussi quand même que dans les entreprises sur les femmes seniors, on n'y est pas encore. Donc j'aimerais bien faire réagir Laurent Depont et Marine Debouco sur la place des seniors, des femmes seniors, parce que jusqu'à 45 ans, on est senior. Une fois qu'on a élevé nos enfants, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu comment ça se passe chez vous. Alors déjà, il faut dire quelque chose, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est que c'est les femmes et les hommes qui sont concernés, hein, toujours. Et puis, on est senior, mais aujourd'hui, ce qu'on a fait chez Orange, c'est d'éliminer la notion d'âge, de la détection du potentiel et du haut potentiel. Hein, c'est complètement alors, discriminatoire et ça a été éliminé. Essayez d'expliquer ça, parce que je pense que tout le monde ne maîtrise pas ça, cette histoire alors, de détection des hauts potentiels. Traditionnellement, dans les entreprises, et c'était le cas chez Orange jusqu'à il y a quelques années, on disait un haut potentiel, c'est jusqu'à 35 ans. Donc on identifie les hauts potentiels en ayant cette condition de départ qui est d'avoir moins de 35 ans. Ce qui veut dire que toutes les femmes qui ont eu un, deux enfants, généralement elles sont dans la phase active quand elles ont plus de 35 ans, le moment où on les détecte. Et là, on dit, ah ben c'est dommage, elle est très très bien, mais elle a plus de 35 ans, donc elle peut pas être au potentiel. Donc, elle est out, elle sort du périmètre. Et ça, c'était une des conditions qui faisait qu'on n'avait pas suffisamment de femmes en haut de la pyramide. Donc, évidemment, ce critère a été supprimé, mais ça vient d'une croyance nouvelle qui est que, quel que soit son âge, à partir du moment où on est motivé, on peut être un haut potentiel et ça veut dire que toute l'organisation de l'entreprise a dû se structurer autour de ça, la question de l'accès aux formations par exemple. Et aujourd'hui, eh bien, quelqu'un qui a 55 voire 60 ans peut être considéré comme un haut potentiel. Donc et avoir accès à des formations, oui, 60 ans parce qu'à 60 ans, on a encore peut-être quelques années devant soi dans l'entreprise. Après c'est il y a des questions d'âge de départ à la retraite mais ça peut se faire et l'entreprise y a tout intérêt parce que si elle apporte un plus de compétences à quelqu'un qui est relativement senior qui va pendant encore quelques années lui livrer quelque chose, eh bien c'est un bon investissement. Donc il faut arrêter de raisonner sur la base de vieux stéréotypes. Et je voudrais juste préciser quelque chose aussi sur ces stéréotypes, c'est que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure sur lequel je voulais réagir, c'est que un manager doit être présent, physiquement présent avec ses équipes. Ben, je pense que ça aussi, ça doit s'organiser, on doit faire preuve de souplesse, parce que c'est aussi là où on a une difficulté avec les carrières féminines, c'est que les carrières les plus valorisées dans la plupart des entreprises sont les carrières de management avec beaucoup de gens encadrés. Et le manager, c'est celui qui est le premier le matin, le dernier le soir. Et ça, c'est une idée que nous essayons de battre en brèche. D'ailleurs, on a aujourd'hui des formes de management à distance. Alors, c'est pas forcément simple, hein. On a des gens qui managent des équipes dans différents pays. Et là, la présence physique ne s'impose pas et les choses fonctionnent très bien. Donc, je crois qu'il faut repenser ce type de modèle. Très bien. Alors, Marine Debouco, chez AXA, est-ce que une femme qui a donc eu des phases de plateau, eu un peu de temps partiel, élevé ses enfants, est-ce que quand elle revient, enfin,
elle est toujours là, mais je veux dire, quand elle revient avec une énergie nouvelle, elle est sortie des problèmes de garde d'enfants, des enfants qui la réveillent la nuit, enfin tout ce que Audrey connaît, la pauvre, mais vous inquiétez pas, ça dure pas, hein. Est-ce qu'une fois qu'elle est sortie de tout ça, elle peut réaccélérer professionnellement chez AXA France? Est-ce que vous avez des exemples de femmes qui ont été donc à temps partiel? Et je crois que vous, d'abord, vous avez quand même eu un temps partiel à un moment donné. Absolument. Et, ensuite, et maintenant, vous êtes quand même au comité directeur de AXA France, qui est quand même un énorme poste. En effet. Alors, juste pour la première partie de votre question, on a beaucoup de politiques, en effet. Le vivier de potentiel, on a enlevé l'âge, parce qu'on a plein de belles ressources dans l'entreprise. Et beaucoup de femmes passées 45 ans peuvent nous apporter énormément. Donc pourquoi passer à côté? Ce serait dommage. On a donc un process de nomination. On a nommé des femmes directeurs à 54 ans. Mais ce qui est absolument critique, et je pense que c'est par rapport à ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est d'oser lever la main. Il faut absolument le dire. Vous voulez dire même après, quoi. C'est-à-dire, voilà, ouais. Dire, voilà, j'ai envie de prendre de plus de responsabilités. Très souvent, les femmes disent, ah ben, ça va arriver, on va me le préserver, ou je le mérite, donc on va me le donner. Non, il faut y aller, il faut le demander. Absolument. C'est très important. Et après, je pense en effet, moi je me suis accordé des périodes de flexibilité, un petit peu de temps partiel, c'est nécessaire. Après, il y a eu différentes étapes, ça dépend des personnes. Rachel, je crois que Rachel voudrait réagir. Rachel, oui, je voulais réagir sur plusieurs points. Je crois qu'il ne faut pas non plus ne parler que d'entreprise idéale. Hein, malheureusement, bien sûr, bon, c'est bien sûr de s'appuyer dessus, parce que plus on entendra parler d'Orange, d'AXA et d'autres qui se battent dans ce domaine-là, et plus rien que les concurrents immédiats devront bien peut-être réagir s'ils souhaitent que ces talents se joignent à leur entreprise. Mais il y a toutes les autres. Évidemment. Et puis, il y a aussi le fait que, et moi je crois que c'est important, que penser qu'individuellement, ça a été dit la table ronde d'avant, individuellement, ce taux femme de dire, de se montrer, de lever le doigt, bien sûr, ça joue, c'est évident, mais je crois plus à une modification de l'organisation, à des bonnes relations sociales qui respectent le droit du travail et à des garenties pour les salariés. Mais ça, on est vraiment d'accord avec vous là-dessus. Enfin bon, mais il faut l'un et l'autre, quand même. Il faut les deux, c'est de le dire. Et donc, ce qui me paraît important, en tout cas, de notre débat, c'est cette idée de cycle de vie dont on a parlé, c'est qu'effectivement, il y a une vie après les enfants. Et d'ailleurs, le travail va prendre de plus en plus de temps dans nos vies. Et c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais c'est comme ça. Et je crois qu'il faut vivre avec. Et cette idée de double, de troisième carrière, on en parle de plus en plus. Ça me paraît vraiment important. On commence à en parler, le problème des seniors, très souvent justement par rapport aux hommes. Et le fait d'être femme 50 ans, c'est une double peine. Et il y a, par exemple, moi qui suis chercheuse, il n'y a pratiquement pas de travaux dessus. C'est un non-sujet. On trouve pratiquement rien sur cette difficulté particulière qu'ont ces femmes. Elles ont tout donné, sans parler le fait d'être, on appelle ça aussi des femmes sandwich dans cette période-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas évoqué ça. Mais une fois à peine... Il y en a certains qui vont, et certaines qui vont s'y retrouver. À peine vous en avez fini avec vos jeunes enfants, bon, ils sont ados. Vous avez l'air de dire que vos ados sont très cool. Bon, moi, j'ai le souvenir d'avoir besoin d'être plus disponible pour mes enfants autour de 14-15 ans que plus petits, où j'avais des relais, où j'avais des modes d'accueil. À 15 ans, mon fils, je ne pouvais pas lui faire venir la jeune étudiante. Enfin, je ne voulais plus de la jeune étudiante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc... il fallait que je sois là un peu plus tôt. Et puis, il n'y avait pas encore le mobile. Et encore, on sait que le mobile, ça peut être un piège. Et ce que je veux dire, c'est que... mais j'ai oublié. C'est que, oui, on en a à peine fini avec ses enfants que ce point, le problème des parents vieillissants, voire, et c'est quand même le comble pour ces dames, les beaux-parents. C'est-à-dire que les femmes ont quand même cette capacité, il y en a qui se reconnaissent, à non seulement prendre en charge, alors c'est pas le même soin, mais quand même, à consacrer du temps, parce que c'est la question du temps, aux personnes âgées, aux parents vieillissants, mais aussi à leurs beaux-parents. Cette belle-mère qu'on n'a pas forcément aimé toute sa jeunesse, eh bien, on va l'accompagner en fin de vie parce que, eh bien, monsieur a autre chose à faire. Et donc là, n'oublions pas ça. Donc cette période, elle est vraiment critique et on n'en parle pas assez, on ne le voit pas assez. Si ce n'est alors sur un registre, c'est dans Elle, il y a souvent des rubriques là-dessus, et ça, j'aime pas trop, c'est les femmes et la ménopause et le vieillissement physique, etc. Et donc, c'est que cet angle-là. Rachel, on est tout à fait... dans le travail. On est tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs, c'est une très bonne transition vers la troisième partie de cette table ronde.
qui est que on sait bien qu'on n'y est pas encore dans les entreprises, dans toutes les entreprises sur ces questions-là, et qu'il y a encore à se battre sur ces questions, comme on l'a vu ce matin dans la première table ronde. Maintenant, je voudrais aborder ce que du coup les femmes peuvent faire, elles, dans leur posture, pour mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et pour ça, j'aimerais donner la parole dans la salle à Marlène Schiappa, qui a créé le réseau Maman Travail. Marlène, vous pouvez vous lever, oui. S'il vous plaît. Bonjour. Parce que je crois que vous avez un témoignage très intéressant à nous donner là-dessus. Oui, alors avant, je voulais juste réagir, si vous me permettez, à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui m'a fait une petite accélération cardiaque. Laurent Depont, je m'adresse à vous, vous avez dit prendre le mercredi parce que c'est de bon ton, parce que c'est la mythologie de la bonne mère. Alors ça m'a fait comme si vous veniez me tirer les cheveux, parce qu'en fait, j'ai toujours été en 4-5e et j'ai jamais travaillé le mercredi depuis que j'ai des enfants. Ça m'a pas empêché de monter des entreprises, d'en acheter, d'en revendre, d'être même salariée et cadre dirigeante. Et je trouve que c'est assez représentatif du fait que les entreprises sont quand même encore beaucoup bâties sur des valeurs dites masculines. Je suis pas sûre qu'on dirait à un homme qui prend son mercredi parce que c'est de bon ton. Et il arrive qu'on prenne le mercredi non pas pour faire Caroline Ingalls, mais parce qu'on a réellement envie de voir un peu nos enfants qu'on voit pas déjà le soir les autres jours de la semaine. Alors, je crois qu'il faut pas se méprendre sur mon discours. Ce que j'ai dit, c'est qu'on n'est pas imposé, on n'a pas de modèle imposé. On a le choix. Il y a des femmes qui souhaitent avoir leur mercredi, elles ont tout à fait le droit. Il y a des hommes qui veulent prendre leur mercredi, ils ont tout à fait le droit. Mais il n'y a pas un modèle imposé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes qui prennent leur mercredi parce que c'est de bon ton, pas forcément parce qu'elles en ont envie. Et c'est ça que je condamne, parce que je trouve que on est orienté, on est poussé, pas forcément parce qu'on en a envie. Et on doit pouvoir prendre le jour qui nous arrange, qui nous intéresse. Et le mercredi est un peu une figure imposée. Puis c'est le jour où aussi on ne peut plus rien faire. On ne peut plus faire de réunion, on ne peut plus faire n'importe quoi, alors que dans des équipes, il y a des gens qui ont envie de travailler ce jour-là aussi. Il n'y a pas de règle unique. Et je crois que c'est le modèle qu'on veut proposer, c'est qu'il y a des choix personnels qui s'imposent aussi et qui doivent s'articuler avec le cycle de l'entreprise. Alors je crois que Marlène, vous vouliez dire autre chose. Oui, du coup j'ai perdu le fil de ce que tu disais. Oui, on en avait parlé quand on s'était parlé avant la table ronde, vous m'aviez parlé de la conciliation, du fait de tout avoir, vous m'aviez dit une chose que j'aimais beaucoup. Voilà, j'ai suivi un peu les débats ce matin ici et sur Twitter sur effectivement cette sempiternelle question de peut-on tout avoir. Et en fait, je pense que la question de peut-on tout avoir, la vraie question, c'est qu'est-ce que tout ? Parce que effectivement, si tout avoir, c'est avoir un travail et des enfants et vouloir être présente au travail et présente un peu aussi pour ses enfants, accessoirement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. En revanche, si tout avoir, ça veut dire se conformer à l'intégralité des stéréotypes de genre dont vous parliez d'ailleurs très bien tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une maison impeccable, un peu à la Brivante de Camp, avoir faire 3 dîners par semaine, être top manager comme les working girls des années 80, avoir 17 enfants, s'occuper de ses neveux et de ses nièces, de ses parents, de ses enfants, ça non, c'est pas possible. Et je pense que personne ne peut tout avoir si le tout c'est ça. Et effectivement, la difficulté c'est de lâcher du lest pour nous les femmes et de se dire que c'est peut-être un peu inconfortable de pas se conformer à un stéréotype de genre et de se dire oui, bah non, moi je fais pas le ménage, c'est mon mari qui le fait, ou c'est une autre personne, ou c'est personne, c'est les enfants. Merci. Merci beaucoup Marlène, je trouve que c'est très bien que vous ayez dit ça, parce que c'est important de transmettre aux femmes qui veulent tout concilier et qui trouvent difficile de tout concilier, de sortir de cette espèce de stéréotype de la Wonder Woman des années 80 et du « je veux tout, je suis parfaite », cette espèce de ce que la philosophe Michaela Marzano appelle la cage de la perfection. J'aime beaucoup cette idée parce que elle nous explique en fait que les femmes s'enferment souvent, c'est la société qui veut ça, hein, cette société de la performance, dans une espèce de cage de la perfection qui du coup les conduit à des logiques du tout ou rien, qui est que au fond, si j'arrive pas à être ce que vous disiez tout à l'heure, une superwoman, et ben alors autant tout envoyer promener, et c'est là que du coup elles risquent d'abandonner la question du travail ou la question de la famille en sacrifiant leurs enfants, leur couple, etc. Et donc j'aimerais bien vous faire réagir Véronique là-dessus, parce que je crois que dans les choses que vous enseignez aux femmes pour mieux se promouvoir au travail, il y a des choses là-dessus sur le perfectionnisme.
J'aime bien ce que vous dites quand vous dites le mythe de la bonne mère. Merci. C'est énorme ce que beaucoup de jeunes femmes viennent me voir et me disent. Mais moi, j'ai un poids social que je ressens très très fort sur mon rôle de mère, sur mon rôle de femme, presque plus fort que celui que nous avions. Alors, j'ose pas dire dans les années 80. J'étais diplômée en 86. Mais je suis extrêmement étonnée de voir des jeunes femmes de moins de 30 ans qui viennent me voir, qui disent Valérie, est-ce qu'il est possible d'avoir une vie personnelle et une vie professionnelle? Je dis, ma mère, elle a été diplômée de Sciences Po, qu'en 68, elle se pose la question, ok, et elle se l'est pas posée, elle a bossé, mais qu'encore aujourd'hui, et souvent quand on creuse, c'est le mythe de la bonne mère qui ressort et qui me fait de la peine. Et donc la première chose, c'est accepter d'être la mère que je suis, comme je suis, forcément pas parfaite, mon fils a 22 ans, et donc il me raconte des tas de trucs très sympathiques sur le fait que j'ai pas été la mère parfaite, mais il me dit aussi, je suis fière de toi, j'aurais pas supporté que t'arrêtes de bosser, et c'est sympa d'entendre le gamin qui t'a fait chier pendant 13, 14, 15 ans, 16 ans, ouais maman, il y a que ton boulot qui t'intéresse, de toute façon, gna gna, et qui à 22 ans dit, ouais maman, je savais pas que t'allais à Shanghai pour le boulot, je suis tellement fière de toi, voilà, et donc, pas parfaite, très bien, pas trop le ménage. Moi, j'ai une nana que j'ai coachée récemment, elle me dit, j'ose pas déléguer le repassage à ma femme de ménage, parce que je lui en donne déjà tellement trop. Je comprends pas bien, là. Et si c'était sale ou moyennement propre, et ce serait grave. Enfin, ouais, les enfants allaient à l'école avec des sweatshirts pas repassés, c'est pas non plus un drame. Et puis, zut, à ce truc de carrière enfant, zut, on est deux, parfois on est seul, moi j'étais seule pendant un petit moment, et si on arrêtait de corréler les deux tout le temps? Il y a des enfants qui occupent une part de notre vie. Moi, j'ai des hommes que j'accompagne qui ont d'autres sujets, qui ont des sujets de maladie, qui ont des sujets de trucs. Chacun a des temps à lui ou elle, des temps de sport, des temps de passion. Il n'y a pas que les temps de parentalité. J'aimerais qu'on décorrèle un peu. Valérie, j'aimerais bien que vous disiez un peu aussi ce que c'est que de renoncer au perfectionnisme au boulot, parce que je crois que ça fait partie. Il faut bâcler intelligemment. Ah, j'adore. Donc, mesdames. Apprenez, je vous en supplie, très tôt à bâcler intelligemment au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes et d'hommes, donc je peux faire la comparaison. Le côté, je veux tout faire au même niveau de qualité, c'est très important d'être compétente. Mais savoir bâcler intelligemment, c'est une science, c'est-à-dire où est-ce que je mets mon énergie parce que ça fait une vraie différence et parce que c'est ce qui est attendu de moi, donc c'est mes priorités. Et où est-ce que je renonce à être parfaite et où est-ce que je bâcle intelligemment, c'est-à-dire c'est pas trop visible, c'est juste comme il faut. Les hommes sont assez forts, je crois, pour bâcler intelligemment. Je sais pas. Je pense que les gens bons, ils savent le faire, hommes ou femmes. Mais sauf quand on vous dit, ah non, mais qu'est-ce que ça veut dire, bâcler intelligemment? Mais on le fait tous. Les gens qui sont dirigeants aujourd'hui, je sais, enfin, pour beaucoup travailler avec eux, qui savent très très bien le faire. Bon, alors écoutez, ça c'est une très très bonne stratégie à acquérir. Voilà, je voudrais faire un petit point avec Clémence Levaux sur Twitter. Est-ce qu'on a des réactions Oui, on a encore des réactions. Alors du coup, il y a des réactions notamment sur le fait qu'on avait des informations quasiment sur les familles de toutes ces dames. Et donc, on a eu des questions sur « Et monsieur dans tout ça ?» Voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point? Ah oui. J'ai une fille dont je suis super fier. Je ne voudrais pas qu'elle subisse le modèle dominant. Et comme elle a 14 ans, elle a encore le temps de se muscler et pour vraiment s'armer pour rentrer dans le monde du travail. Donc je la prépare, mais elle est bien coachée. Bon, bah, très bien. Voilà, nos twittos sont très ravis de le savoir. On avait aussi une question sur le fait qu'il y a des grandes entreprises ici, un petit peu sur ce que vous disiez, Rachel Silvera, mais qu'il y a aussi des PME qui agissent. Du coup, pour ça, il faut aussi se reporter au corner Women Friendly, où on avait plein de PME qui disaient des trucs super sur les façons de concilier. Oui, ça, c'est vrai que c'est important. Il faut qu'on en parle. J'aimerais bien, oui. Et puis, peut-être on peut en parler maintenant, peut-être, de ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu montrer dans ce forum, dans la partie corner, notamment ce corner sur les bonnes pratiques, c'est que, bien entendu, les grandes entreprises qui sont en pointe ont des bonnes pratiques, comme on l'a vu, mais il existe aussi de nombreuses bonnes pratiques dans les PME, dans les TPE,
qui sont facilement duplicables, qui sont des bonnes pratiques, de bonne organisation du travail ensemble. Et nous, ce qu'on aimerait à la suite de ce forum, c'est que les femmes qui rentrent dans leur boîte, dans leur TPE, PME, aillent voir leur manager et leur disent « Voilà, j'ai entendu parler dans une petite boîte à Clermont-Ferrand de telles bonnes pratiques qui amélioreraient considérablement le travail de notre boîte. Faisons-le, c'est pas compliqué, ça coûte pas un rond, c'est juste de la bonne organisation. » Et ça, pour nous, ça nous paraissait très important à transmettre dans cette journée. Alors Clémence, quoi d'autre ? Et puis dernière question qui revient assez régulièrement, c'est une fois qu'on est, c'est plutôt pour les femmes seniors, on a 45-50 ans, on ne s'est jamais vraiment valorisé dans l'entreprise. Comment est-ce que finalement il n'est pas un peu tard et comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire à partir de ce moment-là ? Pour terminer simplement sur les réseaux sociaux, merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé, puisque Elle Active est en trending topic depuis 10h ce matin. Ça ne cesse de continuer, il y a eu plusieurs milliers de tweets et ça continue. Donc voilà, merci à tous. Bon, écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion. Je vous remercie beaucoup, c'était passionnant. J'espère que les femmes qui étaient là ont trouvé des réponses aux questions qu'elles pouvaient se poser, qu'elles vont en repartir avec une nouvelle énergie, avec des idées, de la créativité, et surtout l'idée qu'il faut pas lâcher, quoi. Voilà. Et aussi, je voulais dire, peut-être qu'on en a pas assez parlé là pendant la table ronde, mais les enfants, ça grandit vite, et donc ça vaut vraiment le coup de s'accrocher quand ils sont petits, parce que quand ils sont grands, qu'ils deviennent adolescents, on se rend compte que c'est super de ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier, que c'est très très bien d'avoir aussi planter des graines dans sa carrière pour que justement elle puisse émerger un peu plus tard une fois qu'ils sont devenus grands. Voilà. Mais écoutez, merci à toutes et à tous.